vois. Je vois. Salut Jean-Michel. On va parler du... Tu prendras la parole si tu veux là sur le centre culturel. Là. Ah oui, ouais. Hein. Bien. Allez. On y va. Comme vous le voyez, nous travaillons dans un contexte un peu particulier puisque le Colisée est mobilisé comme centre de vaccination, hein, bien sûr, dans des conditions qui sont tout à fait remarquables. Et je voudrais vraiment saluer et remercier toutes les équipes qui travaillent au quotidien et parfois jusque très tard le soir, week-end compris, 1er mai compris, pour effectuer les vaccinations de nos concitoyens. Et je voudrais vraiment saluer une nouvelle fois le travail de Christian Allard et de toutes les équipes. Il y a eu un gros travail de fait. Nous allons d'ailleurs mettre en place aussi un Vaccibus, hein, qui va d'ailleurs être lancé samedi, hein, et qui va proposer aux habitants éloignés ou ayant des difficultés de déplacement de pouvoir bénéficier de la vaccination. Et ça va se faire, bien sûr, en coordination complète avec chacun des maires de la communauté d'agglomération, bien sûr. L'idée étant de voir comment on organise concrètement les choses du point de vue pratique, mais permettant de vacciner jusqu'à 250 personnes. Donc voilà, on va essayer de faire ça de la manière la plus efficace possible. Avant d'aborder l'ordre du jour, j'avais deux points que je voulais mentionner, partager avec vous. Le premier, à titre un peu singulier, mais je voulais dire que j'ai une pensée pour Marc Ferraud, qui est un très grand historien, spécialiste des guerres mondiales, qui est décédé il y a quelques jours. Et si je mentionne sa mémoire, c'est parce que, outre que vous avez peut-être été amené à lire des livres de Marc Ferraud ou de suivre quelques-unes des émissions qu'il faisait à la télévision, dont une qui s'appelait « Histoire parallèle », où il montrait par les actualités de l'époque entre la France et l'Allemagne au début de la Deuxième Guerre mondiale et tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout à fait passionnant et innovant. Et puis par ailleurs, il a présidé le comité scientifique du musée de la Grande Guerre. Et c'est lui qui a imaginé, avec les collègues du conseil scientifique, cette approche muséologique que nous avons retenue. Voilà, donc c'était un très grand historien, vraiment. Par ailleurs, avec une histoire personnelle assez extraordinaire, il était résistant. Il était proche du Parti communiste. Je ne sais pas s'il en était membre, mais il était proche du Parti communiste. Donc inutile de vous dire qu'au début, il se demandait si c'était vraiment bien que nous fassions les choses ensemble. Et en fait, très vite, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de politique là-dedans, mais bien la volonté d'apporter son expérience et sa connaissance exceptionnelle de l'histoire des guerres mondiales. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire, qui n'a rien à voir avec la première, mais que je ne peux pas ne pas dire, c'est que demain, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Le 5 mai, outre que le 5 mai est une date qui est chère à mon cœur, mais indépendamment de cela, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors, vous allez me dire, quel est le lien avec Meaux ? Ben, quand même, il y a quelques liens avec Meaux, puisque Napoléon a été... présent dans notre secteur du pays de Meaux lors de la campagne de France entre décembre 1813 et avril 1814. Ça n'est pas notre meilleur souvenir de victoire militaire, puisque c'est le moment où la grande armée reculait au point que ça s'est terminé par la célèbre cérémonie des adieux à Fontainebleau et de l'exil, première abdication de l'empereur. Mais il faut savoir que Napoléon a dormi du 15 au 16 février 1813 au palais épiscopal de Meaux pour aller à la rencontre des armées de la 6e coalition qui avait envahi la France, notre territoire aura été le théâtre de deux batailles, un siècle avant la bataille de la Marne de 1914. La première, c'est le 27 février 1814, puisque les troupes russo-prussiennes cherchaient à passer la Marne pour rejoindre Paris par Clessouilly, et c'est face à l'avancée des troupes prussiennes vers la Ferté-sous-Jouarre et celle des Russes vers Trilport que le maréchal Marmont et Mortier, les deux, passent la Marne et brûlent ce qu'il reste du pont de Trilport. Voilà, je voulais quand même vous donner ce petit élément historique. Et puis, il y a une deuxième bataille, le 27 mars 1814, qui est encore plus tragique, puisque là, les troupes prussiennes avancent par Coulommiers et Nanteuil-les-Maux, les Russes par La Ferté-sous-Jouarre et Trilport,
Et malheureusement, la progression des Russes ne peut être arrêtée. La ville de Meaux est bombardée par l'artillerie russe durant la nuit du 27 au 28 mars. Voilà. Et la ville de Meaux est restée sous l'occupation des troupes bavaroises, prussiennes et russes jusqu'en 1815. Voilà. Et pour que vous sachiez tout, mais certains nombre d'entre vous le savez, il y a un boulet russe, place du marché, sur une des maisons, qui témoigne de cette page de l'histoire. Voilà. Si vous en voulez plus, on a toute une bibliographie à votre disposition. Alors, du coup, pris dans mon élan, je n'ai pas fait l'appel. Je vais donc le faire tout de suite. Jean-François Parigi m'a donné pouvoir. Il est retenu à l'Assemblée nationale pour un vote. Régis Sarrazin est présent. Bernard Le Cicero, Daniel Bertolin, Chantal Cassis, Stéphane de Vauchel, Claude de Cuyper, Jean-Michel Maurer, Sally Diop, Jean Pia, Didier Attali est présent. Céline Roland également, Dominique Delahaye, Franck Gourdi, Pierre-Édouard Duic absent. Marc Robin est présent, Michel Bachmann également, Marie Léal, Gérard Chaumont, Joël Bordina, Luc Hérault, Yann Richelet, Alain Bon est présent. Déborah Courtois, Aline-Marie Mélaré, Laurent Courtier, Frédéric Hervier, il est là. Pascal Machu est là, je l'ai vu aussi. Laurence De Vauchel arrive. Arrive, je peux mettre oui. Oui. Corinne Pono-Roger, je l'ai vu, Emmanuel Vielpo, Alal Mouradoudi également, Amandine de Kessling, Jean-Marie Guéraud, Jérôme Tisserand, Fatma Osturk a donné pouvoir à Laetitia Blais, Arthur Georges Bras est là, Laetitia Blais, Ludivine Goncalves, Ludivine Goncalves, elle est là ? Oui, elle est là. Émilie Buff, Waïd Abassi, Timmy Gosselin, n'est pas là ? Bruno Delos, Stella, Sandra Lefebvre, Kevin Marie Luce, Sarah Lacroix, Christian Allard, Marie-France Mahoukou, Saïd Rezeg, Chantal Gilevski a donné pouvoir à Didier Attali, Fernando Rodriguez est là, Evelyne Vessière a donné pouvoir à Jérôme Tisserand, Aurore Eboumbou est présente, André Moukine est présent, Valentine Rousseau est là, Gilles Savray également, Marie-Thérèse Bellaton est présente, Hélène Chopard, Nicolas Fayette, Catherine Amado, Pascal Gentil, Marc Rouquette, pas là, Denis Lemaire est présent, Isabelle Rousseau est présente, Maurice Cagnard également, David Lourdelet est présent, Christine Delavacré a donné pouvoir à Stéphane De Vauchel, Mathieu Fourny est là, Françoise Vasselon également, Gérard Moreau, Éric Kramer, Jean-Pierre Ménil, Michel Daoust, présente, Didier Tassin a donné pouvoir à M. Lourdelet, Emmanuel Hude, je l'ai vu, hein, oui. Ghislaine Silva est présente aussi, et enfin Hervé Deroy a donné pouvoir à Jean-Michel Maurer. On ne doit pas adopter de procès-verbal, là ? Si ? Ah, je ne l'ai pas dans mon agenda, dans mon... document. Ah si, pardon. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire. Avant, je dois désigner M. Gourdi comme secrétaire de séance. Approbation du Conseil communautaire, du compte-rendu du Conseil communautaire du 12 mars. Pas de problème. Il est adopté. Alors, nous avons, bien sûr, comme principal sujet, nous avons deux sujets. Premièrement, l'adoption sur le projet de la Cité de la Musique, Simone Veil, et également notre adhésion à CDG Alliance, qui est évidemment un élément également important. Mais néanmoins, pour des raisons administratives, un certain nombre d'autres délibérations ont été jointes que nous allons traiter dans l'ordre proposé, dans l'ordre du jour, à commencer par d'abord des subventions à diverses associations et établissements publics pour 2021. Voilà, donc... Je passe tout de suite la parole à Claude de Cuyper pour les présenter. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, les propositions d'attribution de subventions au titre de l'année 2021 figurent dans le tableau que vous avez eu, concernant les associations Aril, Germinal, France Active et le rugby, pour un montant total de 228 000 euros. Le tout a été étudié et voté en commission. Les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver l'attribution de ces subventions. Pas d'opposition, pas d'abstention. Pardon, une abstention. C'est adopté. Tarif des services publics pour les piscines. Christian Allard. Monsieur le Président, chers collègues,
il s'agit, au niveau du budget principal, de faire évoluer certains tarifs des services publics piscine. Et donc, dans les tableaux qui vous sont proposés, dans votre note, on précise que pour la location des bassins concernant les bassins Fro et Tauziers, existe naturellement déjà, mais il est souhaité limiter la possibilité de location aux seules personnes morales. Et cette précision est donc apportée dans la grille tarifaire qui vous est proposée. Location d'un bassin pour une, par une personne morale, la journée, CAPM, 476 euros. Hors CAPM, 6333. Et la demi-journée, 238 euros. Contre hors CAPM, 317 euros. Parallèlement, la piscine Tauziers, qui dispose d'un bar qu'on va faire évoluer dans le futur de façon à ce qu'il puisse y avoir de la restauration de base pouvoir être effectuée dans ce stade. Il est proposé que ce bar puisse être loué, toujours par une personne morale, la journée 200 euros pour la CAPM et hors CAPM 250 euros. Et pour la demi-journée, 100 euros sur la CAPM et 125 euros hors CAPM. Pour votre information, ce bar est occupé par an une semaine au total, soit pour les manifestations sportives, et notamment du CSMO Natation, essentiellement son Assemblée Générale, et puis un meeting international. Tout le reste du temps, il n'est pas occupé. C'est un espace qu'on souhaite, à juste titre, rentabiliser, à la fois sur le plan financier, mais également en termes d'agrément pour les usagers, non seulement de la piscine, mais pour de l'ensemble des activités du Stade Tauziers. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à valider, à l'effet de cette date rendue exécutoire de la libération, la grille tarifaire des piscines qui vous ont proposé. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Nous passons maintenant au point numéro 3, qui concerne la désignation des représentants de la CAPM au sein de divers organismes, Régis. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avions déjà voté par délibération du 12 février 2021 l'adhésion à l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac, approuvé ses statuts et désigné un délégué en vue de représenter notre communauté pour siéger au sein de ce syndicat. Notre communauté dépassant le seuil des 100 000, nous avions alerté la présidence pour leur dire que nous avions droit, au-dessus de 100 000, à un deuxième représentant. Donc il est ce soir de notre devoir de nommer ce deuxième représentant au sein de la communauté, au sein de ce syndicat, de la communauté, au sein de ce syndicat, pardon. Donc il est proposé de ne pas procéder à un scrutin secret et de demander à M. Attali de venir me rejoindre sur cet établissement public territorial bassin Seine-Grand-Lac. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Alors, nous abordons maintenant le point de la Cité de la Musique. Et bien sûr, je vais passer dans un instant la parole à Bernard Le Cicero, puisque c'est le vice-président qui est en charge de ce dossier. Juste avant, peut-être quelques mots d'introduction. C'est un moment important dans l'histoire de notre territoire. Ceux qui étaient présents dans la mandature précédente se souviennent que nous avions réfléchi tous ensemble à l'idée de ce projet, avec comme objectif de trouver une nouvelle destination au site de l'ancienne prison, mais que cette destination soit à la hauteur des ambitions que nous voulons mettre dans le domaine culturel pour notre ville. Bon. Nous avions donc formé le projet de regrouper l'ensemble des activités musicales, harmonie et conservatoire. Nous avons, à cette époque, décidé de suspendre le projet, tout simplement pour des questions budgétaires. Vous vous souvenez peut-être de la période, nous étions en 2014-2015. Monsieur Hollande avait alors décidé de réduire de manière très significative les subventions aux communes, dans le cadre d'un projet de réduction des dépenses publiques.
Et nous avons raisonné en bon père de famille et au niveau du bureau communautaire, après en avoir longuement délibéré, eh bien, on a décidé de reporter un peu ce projet pour pouvoir en avoir financièrement la capacité de le financer. Nous avons donc retravaillé sur tout ça et nous arrivons cette fois à un projet qui est extrêmement intéressant et sur lequel nous avons vocation maintenant à délibérer. Quelques mots pour en présenter les choses. La commande initiale, c'est de faire une cité de la musique, de faire quelque chose qui soit ambitieux pour une communauté d'agglomération. On n'est pas loin de 120 000 habitants, avec maintenant de plus en plus de coopération et de ramification, notamment avec les collègues du Pays de Lourdes, puisque vous savez qu'on est en train de fusionner les offices du tourisme, qui va nous amener à drainer une population importante et de proposer un enseignement musical de haut niveau pour tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des élèves, toutes générations confondues, de haut niveau, que des élèves qui veulent découvrir la musique. Notre idée étant naturellement de réserver une part importante à la musique classique, qui est l'ADN, si je puis dire, du conservatoire de Meaux, mais d'aller bien au-delà, et en fait, parce que nous avons compris les uns et les autres l'impact absolument formidable de ce que nos amis américains appellent l'entertainment, c'est-à-dire le spectacle vivant sous toutes ses formes, y compris dans les rues, y compris dans les salles de spectacle, et qui d'ailleurs a créé une dynamique nouvelle pour notre activité commerçante, hein, parce que ça a été un élément important. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire qu'il y ait dans cette ville une approche festive, mais aussi une approche de qualité, pas petit joueur, si j'ose m'exprimer ainsi, mais de qualité. Et l'idée, naturellement, c'est de proposer en même temps une salle d'auditorium de très bon niveau, avec une bonne jauge, parce que si c'est trop petit, on va dire c'est dommage, on a fait trop petit. Et donc, là aussi, ça s'inscrit dans ce cadre. Ça va donc avoir, pour prendre une formule un peu du tout venant, ça va avoir beaucoup de gueule. C'est-à-dire qu'on va avoir un équipement qui va incontestablement changer la donne culturelle de notre ville et de notre agglomération. Parce qu'en réalité, nous raisonnons maintenant complètement autour de la communauté d'agglomération et du territoire du Pays de Meaux. Alors, dans ce contexte-là, l'objectif, évidemment, il est de faire en sorte que nous répondions à toutes les questions et que nous apportions à l'ensemble des habitants du Pays de Meaux un équipement qui soit vraiment important et de qualité. Vous y trouverez, on l'a vu, des locaux d'accueil, d'administration, pratiques musicales individuelles et collectives, des locaux techniques. Dans un instant, Bernard va rentrer, bien sûr, dans le détail de tout ça. Un jury a travaillé. Il y a eu un appel à projet. Comme j'avais eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, plusieurs reprises, moi, je me suis toujours fait un point d'honneur depuis que je suis maire de ne siéger dans aucun jury ni dans aucune commission d'appel d'offres, jamais. On détermine une commande d'un projet et c'est le jury ou la commission d'appel d'offres qui étudie, décide, délibère. C'est pour moi un principe très important parce que j'ai considéré que le président de la communauté d'agglomération n'a pas vocation à influencer, voilà, ça ne veut pas dire que je ne donne pas de temps en temps, dans le cadre des débats globaux qu'on peut avoir, une orientation que je peux avoir entendue ici ou là de tel ou tel, mais j'ai toujours eu à cœur que les projets soient définis et déterminés par les membres des commissions d'appel d'offres ou du jury. C'est très exactement ce qui s'est fait. De mémoire, il y a une quarantaine de projets, 3 ont été pré-retenus, 1 a été sélectionné. Je vais laisser Bernard Lociciro développer tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet tel qu'il nous est présenté qui est extrêmement intéressant, qui est ambitieux, qui naturellement fait un pari architectural. Alors la particularité des paris architecturaux, c'est que, comme toujours, il fait débat, il fait débattre, c'est vendu avec, et c'est aussi ça qui fait l'identité d'un territoire. C'est de pouvoir dire, dans le Pays de Meaux, tiens, ils ont fait un pari, ils ont retenu tel projet, comme ça s'est fait dans d'autres grandes villes, y compris beaucoup plus grandes que nous, ça fait débattre. Mais je pense que nous sommes arrivés aussi à un moment où il ne faut pas craindre d'être audacieux sur des concepts comme ceux-là. Et d'ailleurs, cette place Henri IV, elle va incarner cette modernité, puisque, alors c'est vrai que ça c'est plutôt Meldois, mais c'est important que vous ayez ça à l'esprit, il y a la fameuse rue de l'Arbalète, compte tenu de ce qui s'est passé, de la dangerosité des immeubles, on va tout refaire et on va faire une déclaration d'utilité publique qu'on présentera en conseil municipal avec un projet architectural innovant. Il y a le cinéma UGC, on a la chance que UGC
deuxième entreprise française de distribution de cinéma, va faire un geste architectural aussi. On va du coup réfléchir à l'avenir de la place Henri IV. Donc, quelque part, l'idée, c'est véritablement de faire quelque chose qui soit extrêmement puissant et important. Donc, c'est vraiment dans cet esprit qu'on travaille. Peut-être une dernière chose, c'est que moi, j'ai en tête, mais on en reparlera, que l'on aille au-delà de la musique classique, telle qu'on l'enseigne aujourd'hui au conservatoire. D'abord parce qu'il y a du jazz avec l'harmonie, ensuite parce qu'on va faire une grande école de musique, et je me dis, puisqu'on fait de la musique, on peut peut-être aller plus loin, on peut faire du chant, y compris de la variété. Moi, je vois le succès populaire d'un certain nombre d'émissions comme The Voice, où je vois des talents incroyables, et ben, je trouverais formidable que Meaux, que le pays de Meaux devienne une référence artistique par rapport à tout cela, et que ce soit aussi un moyen de rêve pour nos administrés que de pouvoir y participer, et puis peut-être aussi un concours d'éloquence, comme le suggérait Bernard à plusieurs reprises. Bref, il y a toute une série de pistes sur lesquelles on va travailler, mais qui peut faire de ce projet quelque chose d'absolument passionnant. On n'en a pas oublié pour autant les circulations, le stationnement, tout ça est intégré. Et donc voilà un peu pour vous brosser brièvement la philosophie. Et maintenant, je passe le relais à Bernard pour qu'il puisse présenter dans le détail la manière dont le jury a raisonné, étudié les projets. Et puis aussi, bien sûr, je me tourne aussi vers ceux des collègues qui ont participé, puisqu'il y avait 9 membres dans le jury, et un certain nombre d'élus parmi vous, pour avoir aussi votre point de vue. Voilà. Bernard. Monsieur le Président, chers collègues, donc je vais rapidement vous brosser. L'essentiel a été dit par Jean-François, mais je voudrais que vous compreniez notre fonctionnement et pourquoi on s'est prononcé sur ce projet. Le jury, Jean-François l'a dit, il y a eu un premier jury, composé des mêmes membres, qui s'est réuni en octobre pour étudier 40 dossiers de cabinets d'architectes. Et à l'issue de cette délibération, 3 cabinets d'architectes ont été choisis, ce qui a donné lieu donc au dernier jury qui s'est prononcé pour le projet choisi et que l'on vous présente aujourd'hui. Il faut savoir, pour que les choses soient très claires entre nous, que quand on choisit sur la dernière délibération, nous opérons en aveugle, c'est-à-dire que nous n'avons pas le nom des cabinets d'architectes et nous avons simplement les visuels pour que les choses se fassent de façon tout à fait neutre et qui respectent aussi les procédures de ces délibérations. Alors pourquoi nous avons choisi ce projet dont vous verrez peut-être quelques éléments photographiques? On ne choisit pas simplement un projet sur le geste architectural en se disant « c'est beau, c'est moche, ça ressemble à un blocos comme j'ai pu le lire ». On se prononce sur des choses qui concernent et les usagers et les utilisateurs. Donc nos premières prérogatives, c'est de savoir si c'était fonctionnel par rapport aux autres projets. C'est un projet fonctionnel qui donne un vaste hall d'accueil qui permet d'accueillir tous les usagers, que ce soit ceux de l'auditorium ou de la maison d'arrêt revisitée en salle de répétition musicale pour le conservatoire et l'harmonie. C'est un projet donc qui permet d'avoir un très beau parvis d'entrée avec des aires gazonnées, un toit végétalisé, vous le verrez sur le plan de masse, donc quelque chose qui ouvre les perspectives à la fois sur la place Henri IV, mais aussi sur le cinéma, et qui donc revisite l'ensemble de cette emprise foncière. Fonctionnel aussi, puisque les déambulations dans les différentes parties de ce projet permettent aux usagers de trouver rapidement soit les salles où ils doivent répéter, soit bien sûr la direction de l'auditorium. Les autres projets ne répondaient pas au cahier des charges puisqu'ils prévoyaient 2 halls d'accueil qui posaient un problème à la fois de sécurité, de déambulation dans les bâtiments qui étaient peu fonctionnels et quelquefois insécures avec beaucoup de recoins et de pièces aveugles qui ne permettaient pas de sécuriser le site et pour les usagers, et notamment les familles, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui visitent et qui viennent faire de la musique, le fait de laisser son enfant à l'accueil sans savoir comment ensuite il allait déambuler dans le site pouvait être un problème d'inquiétude pour les familles. Un problème aussi de fonctionnalité par rapport à l'accueil de ceux qui amènent quelquefois les instruments, qui amènent et qui viennent aussi travailler sur le site. On a là, vous le verrez sur la rue Fatou, un dégagement très prononcé et une aire de service qui permet d'accueillir des véhicules lourds pour déposer des pianos notamment, qui sont des objets très lourds à transporter.
également à l'intérieur de ces bâtiments des salles ouvertes très largement pour que justement ces instruments puissent être amenés dans les salles requises sans avoir une manipulation trop difficile pour les techniciens qui opèrent au sein de cette nouvelle ensemble. Donc voilà, en termes fonctionnels, on voulait quelque chose qui soit très vite opérationnel, qui permette de sécuriser le public et les usagers, qui permette d'ouvrir le site vers l'extérieur. On n'a là aucune barrière, aucun tourniquet en ferraille comme le proposaient les autres, et puis une ouverture vers la place Henri IV et le cinéma qui donne un espace à la fois très arboré, végétalisé, et qui donne quelque chose qui s'intègre parfaitement à ce qu'on veut faire sur l'ensemble de l'emprise foncière. Deuxième point qui était important, c'était de savoir comment allait se faire la circulation des véhicules. Les autres projets prévoyaient une entrée et une sortie sur la rue Fatou. Donc en termes de croisement, de circulation, ça a obligé cette rue à être très encombrée, avec sûrement le fait de revisiter complètement le plan de circulation du quartier. Là, on a une entrée par la rue des Cordeliers et une sortie par la rue Fatou. On a également, chose que les autres projets ne proposaient pas, un parking en rez-de-jardin qui permet d'avoir sous les bâtiments, pas complètement enterrés, 98 places de parking. Il y en a 104 actuellement. Il faut qu'on gagne 6 places pour répondre à ce qui est l'existant actuel, mais l'existant, il est à ciel ouvert et on a un espace, si vous connaissez cette emprise foncière, qui laisse apparaître des véhicules garés sur un parking, alors que là, vous le voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus attirant pour les gens qui voudront s'y promener. Troisième point important, c'était celui de respecter aussi ce qui était le patrimoine de la maison d'arrêt. Dans le hall d'accueil que vous voyez, il y a tout un pan de mur qui reprend le pan de mur de la maison d'arrêt. Donc il y a un lien entre un objet architectural très moderne et puis une maison d'arrêt qui conserve son cachet en tant que patrimoine. Je signale que, pour ceux que ça peut inquiéter, il y en a sûrement sur le bâtiment qui concerne l'auditorium, ce que vous voyez de façon très sombre, c'est de l'acier traité verni qui ne peut pas s'altérer avec le temps et qui donne ce caractère de modernité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la nef qui concerne l'ancienne maison d'arrêt, vous voyez qu'on a là aussi conçu, au-delà du geste artistique qui pourrait être revu, on a conçu quelque chose de très éclairé, de très fonctionnel, et nous avions dans ce jury 6 élus et 3 techniciens. Nous avions la directrice du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du département de Seine-et-Marne, un architecte et un acousticien. L'acousticien était pour nous un élément d'expertise très important. Nous avons actuellement au conservatoire et à l'harmonie, vous le savez, puisque vous avez beaucoup de vos administrés qui fréquentent ces deux entités, des conditions d'accueil des musiciens qui ne sont pas satisfaisantes. Nous aurons là un produit en termes d'acoustique qui sera, je pense, le meilleur d'Île-de-France, parce que nous pourrons pratiquer dans l'ensemble des cellules sans que les cellules adjacentes puissent être perturbées par le bruit d'un instrument qui s'effectuera à côté. Donc voilà un ensemble qui répondait à beaucoup de critères. D'ailleurs, le jury ne s'est pas trompé, en tout cas, on le pense, puisque sur les 9 membres du jury, 8 se sont prononcés sur ce projet et un seul avait une destination sur un autre projet. Mais au-delà de ce projet qui peut être discuté au niveau architectural, c'est ce que disait Jean-François, je voulais souligner qu'il s'intègre dans un projet culturel qui concerne l'ensemble de l'agglomération. Nous ne faisons pas ça simplement pour construire un bâtiment, c'est que nous avons autour de ça un projet. Et si je dis cela, c'est que je suis un peu agacé quand je vois certaines personnes se réclamer de projets que nous avions prévus et qui se disent toujours « Ah, si nous n'avions pas alerté la mairie, jamais ne se sera fait ». Donc je dis à ces gens-là que nous avons un projet autour de cette cité de la musique, un projet. Vous savez que nous sommes en réflexion sur la Maison des Jeunes et la Culture et que nous voulons, parce que nous avons prévu aussi dans ce projet le fait de l'explosion ou en tout cas d'une montée démographique, et nous avons la place pendant 15 ans pour accueillir une montée démographique des usagers de l'harmonie et du conservatoire, mais nous avons aussi l'espace nécessaire
pour accueillir, dans une réflexion qu'on a autour de la MJC, des groupes de musique qui ne sont pas forcément de la musique avec des professeurs du conservatoire et d'harmonie, mais on va dire dans une pratique un peu plus amateur, pour faire de cet objet architectural ou de cette entité quelque chose qui s'adresse à tous. Vous savez que le concept de mot pour tous est quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, on va essayer de ne pas faire cet objet architectural uniquement une structure élitiste, mais qui s'ouvrira à toutes les pratiques musicales. Donc on a là une dimension culturelle très importante dans un projet aussi qui dépasse simplement la musique, Jean-François l'a dit. C'est un projet aussi qui concerne le chant choral, l'éloquence. Cet auditorium va être une salle de spectacle fantastique. Le parvis nous permet de créer chaque week-end de l'événement autour de ces bâtiments et donc de créer une animation culturelle importante. Et pour ceux qui avaient comme destination pour ce projet l'accueil d'associations culturelles meldoises ou de la communauté d'agglomération de Meaux, sachez qu'avec Jérôme Tissant, Pierre Corbel, ils ont énormément travaillé pour que l'espace Marcollet de Lannou soit complètement là aussi revisité pour accueillir des associations culturelles qui pourront développer leur projet. Donc c'est un projet d'ensemble qui s'intègre dans un développement culturel très important, qui concerne tous les usagers et pas uniquement ceux de l'harmonie et du conservatoire qui vont être très heureux d'opérer dans des locaux modernisés. C'est un projet donc qui dépasse le simple aspect de la musique puisqu'il s'inscrit dans un projet, si vous circulez dans Meaux, quand on part du musée Bossuet qui va là aussi être revisité en passant par les remparts, en allant vers le cinéma et la musique, eh bien, quelque part on écrit l'histoire de la culture à Meaux. On part de Bossuet pour arriver sur quelque chose de très moderne, de très futuriste, qui écrira, comme on est fier de notre histoire, eh bien, le passé de notre histoire dont on est fier, mais aussi l'avenir de notre histoire. Merci. Merci beaucoup, Bernard. On passe tout de suite au débat. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole ? Madame Rousseau. Bonsoir. Donc c'est moi qui ai parlé de blocos, effectivement, sur mon Facebook. Ah, je ne savais pas. Ah, non. Bon, ben, c'est moi. Voilà. Merci de me suivre. Non, mais je ne vous suis pas, on me l'a dit, Madame Rousseau. Ah, mais quelqu'un me suit autour de vous. Je pensais qu'en termes de déontologie, tant qu'on n'avait pas délibéré, les élus ne pouvaient pas mettre sur leurs réseaux sociaux ni les photos, ni en parler. Je pense que c'est écrit dans le règlement intérieur, Monsieur Le Cicéron. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'écrire pour que la déontologie s'applique à nous tous. La déontologie, et moi, je voudrais parler ici de démocratie, peut-être, parce que ici, un projet avec une maison d'arrêt qui date de 1857, que vous avez voulu démolir en 2009 et qui n'a pas été démoli grâce à la mobilisation des riverains. Ici, vous venez de leçon de déontologie, vous. Alors que et le quel projet rapport, va être... ça n'a pas de rapport avec ça. Non mais ça c'est pour dire quelque chose. Là. Non mais moi je vous donne des leçons de démocratie si vous voulez aussi. Hein? Voilà. Je ne parlais pas de démocratie, je parlais de déontologie, oui, madame. Et alors pourquoi est-ce que le projet est présenté qu'en commission culturelle que jeudi? C'est pas. Moi loi. Je trouve que c'est. Ah bon, après la présentation? C'est la loi. Ben oui. C'est la loi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'autres réunions que celle-ci. C'est la loi. Tant que le Conseil n'a pas délibéré, et c'est au moment de sa délibération que les décisions se prennent, et c'est ensuite qu'on rentre dans les détails. C'est le principe pour ce type de projet. Ah bon, ben, j'étais pas la seule à être surprise, pourtant. Oui, parce que les autres candidats pourraient nous attaquer en disant que vous avez proposé et projeté un projet sans que la décision du Conseil communautaire soit prise. Ah oui. Et donc, nous, on a dans le dossier, par exemple, qui nous a été présenté, on n'a que la photo aérienne, on n'a pas celle-là, qui est encore pire, je pense. Donc, ça, c'est un point de vue, que c'est encore pire. Ah oui, c'est un point de vue. Voilà. Donc, bon, Madame Rousseau, allez, présentez vos oppositions. Voilà, les oppositions. Donc, on ne connaît pas la hauteur de ce bâtiment. Est-ce que vous l'avez ? Les flux de circulation, vous dites que ça va être assuré. Je pense que ça va être très compliqué. Le jury a pointé que l'écologie, c'était le point faible. On n'a rien à ce niveau-là. Et ce dossier, il dépasse déjà de 12% l'enveloppe initiale. Les deux autres, c'était 20% et 47%. Donc on est déjà au-dessus à 12%. Donc on dit qu'on veut quelque chose d'ambitieux. Est-ce qu'on aura vraiment in fine quelque chose d'ambitieux si ça dépasse de 12% dès le début sans avoir pris en compte les mesures écologiques ou de développement durable? Parce que là, c'était les points faibles, j'ai l'impression, soulevés par le jury.
Ensuite, je regrette que dans le jury, il y aurait pu avoir au niveau consultatif des musiciens, peut-être la direction des deux structures justement musicales, parce que c'est bien qu'il y ait un acousticien et tout ça, mais il n'y a pas eu de musicien. Peut-être ça aurait été utile, ou je ne sais pas, ou c'est peut-être pas la procédure non plus. Et au final, voilà, le budget, il est 8 100 000 euros. Et c'est plus que l'argent qui a été dépensé depuis le début. On est quasiment à 10 millions, si j'ai bien compris, depuis 2005 avec cette prison. Entre les dédommagements de l'ancien cabinet, la construction du parking qui a coûté 600 000 euros, enfin tout ce qui a coûté la démolition des bâtiments de gendarmerie. Donc voilà. Et voilà, donc je continue à dire que cette prison, il ne fallait pas la défigurer, qu'il fallait faire un projet adapté au site et que je suis pour la Cité de la musique, mais pas à cet endroit. Voilà. Merci. Monsieur Moukine. Et je crois que monsieur Savré aussi. Bref. Donc, monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, nous n'avons pas tout à fait la même sensibilité, Valentine et moi, sur ce dossier. C'est ce qui fait la richesse de notre groupe. Nous avons un groupe où chacun peut s'exprimer librement. Et c'est ce qui fait la force aussi de notre groupe. Moi, je fais partie des Meldois qui se sont opposés il y a 10 ans avec le collectif de la place Henri IV à la démolition de ce bâtiment et de l'ancienne gendarmerie. Donc je suis heureux aujourd'hui de voir ce projet avancer, même si ce qui m'est présenté ne m'enthousiasme pas. Quelques remarques générales. Je regrette, moi, qu'il n'y ait pas eu un représentant de l'opposition au sein du jury, que ce soit moi ou un de nous trois, pour apporter un autre regard, une autre sensibilité. J'ai remarqué également que le projet initial, qui était chiffré à 8 157 000 hors taxes, donc, et désormais, c'est dans la délibération, à 13 080 TTC. À combien ? 13 080 TTC, ce qui représente une augmentation de 60%. Et puis je regrette également que nous n'ayons eu, même si c'est la procédure, j'en conviens, pour nous forger une opinion, qu'une petite photo que je montre aux téléspectateurs dans le dossier, qui est très complet, comme il se doit, qu'une petite photo montrant donc le projet, les trois projets qui avaient été retenus. C'est extrêmement difficile, et je dois vous l'avouer que cette... Mais non, puisque on vient de vous projeter toute une série de photos, là, justement. Oui, mais hormis ce qui vient d'être projeté... Bah, c'est pas hormis, voilà. La présentation, elle est celle-là. Donc, 602 ou 603 vues, nous n'avions pour travailler, en amont de ce conseil, que cette petite photo et 2-3 petites photos annexes qui ont été projetées également. Qui ne m'enthousiasme pas, je dois vous l'avouer, c'est très difficile de se forger une opinion. Deux remarques, donc, sur le dossier. La première concernant... Donc, les parkings, page 533, pour ceux qui veulent suivre. Donc, il était demandé 15 places pour le personnel et 85 places pour les visiteurs, soit 100 places. Donc, le projet qui a été retenu, le projet bleu, donc fournit 98 places, plus 14 places extérieures, rue Fatou, donc 112 places. Ça, c'est bien, ça. Parfait. D'accord. Sauf que nous pensons, que ça sera évidemment très insuffisant par rapport au flux que ça va générer. Ça va générer donc des problèmes de stationnement. On va vous répondre. Nous faisons une proposition concrète, précise, puisque nous avons la chance d'avoir juste à côté la place Henri IV, qui, comme vous l'avez évoqué déjà plusieurs reprises, est amenée à être réaménagée, repensée, et nous avons sous le coude un projet de parking souterrain qui est financé par la société Indigo, donc qui est prévu pour l'instant sous la place Lafayette, qui est planté, comme vous le savez, de magnifiques platanes, même si vous avez un petit problème affectif à l'égard des platanes. Donc je pense qu'il serait intéressant de déplacer ce projet, en tout cas d'étudier la réalisation d'un projet souterrain, de parking souterrain, sous la place Henri IV, donc, qui serait financée, ainsi que l'aménagement de la place Henri IV, par la société Indigo, hein, qui est
le gestionnaire délégataire, donc gestionnaire des parkings de la ville de Meaux pour les 20 années à venir, ce qui donc ne serait pas une dépense supplémentaire pour les contribuables, ce qui permettrait de régler donc des problèmes de stationnement pour la future cité de la musique Simone Veil, pour le Majestic, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et également pour l'office de tourisme qui pourrait venir sur l'îlot de l'Arbalète. C'est un projet que nous défendons, comme chacun le sait. Deuxième remarque sur la question financière. Donc, ce projet était initialement chiffré à 8 157 000. Non. 8 157 000. Donc, c'est bien. Non, il y a. Non, mais parce que vous confondez, M. Mouquine, je ne veux pas vous interrompre. Non. Les 8 millions, c'est consacré aux travaux. Le projet d'ensemble, dans tout le projet, à l'initial, c'était 13 millions d'euros. Donc, vous, ne nous dites pas qu'il y a un dépassement de 5 millions d'euros. Je crois d'ailleurs qu'en commission finance, on vous l'a expliqué. Les 8 donc, millions, ce sont les travaux. Le projet d'ensemble, dès le départ, était défini à 13 millions d'euros. Très bien. Moi je me contente de ce qu'il y a décrit dans le rapport. Oui, mais je pense qu'en commission de finances, on vous l'a expliqué. Page 74. Voilà. Adéquation du projet à l'enveloppe initiale. Donc, l'enveloppe initiale, 8 157 voilà, travaux. Millions. Donc, le projet qui a été retenu, donc, comme il a été mentionné, de 9 170 000, donc, soit grosso modo 1 million de plus, hein, 12%. C'est ça. Je note que les deux autres projets qui n'ont pas été retenus étaient beaucoup plus élevés. Il y en avait un à 9 800 000 et l'autre à 12 millions. La question que je me pose, est-ce que vous me répondrez, et autre élément qui me fait me poser cette question, c'est par rapport aux surfaces. Donc la surface de plancher qui était demandée, 3 748 mètres carrés, dans les trois projets qui ont été retenus, aucun ne respecte cette surface. Ils sont tous donc avec des surfaces supplémentaires. Le projet A qui a été retenu donc avec 350 mètres carrés supplémentaires. Le projet B qui n'a pas été retenu, 1000 mètres carrés. Et le projet C, 800 mètres carrés. Donc la question que je me pose, est-ce que ce projet n'est pas quelque peu sous-dimensionné, le projet en tout cas qui a été retenu, n'est pas quelque peu sous-dimensionné par rapport aux infrastructures nécessaires pour regrouper d'une part l'harmonie et d'autre part le conservatoire et également, donc, comme vous l'avez évoqué, accueillir les joueurs, les futurs musiciens, élèves musiciens, enfants comme adultes, qui ne vont pas cesser d'augmenter dans les années à venir, compte tenu de l'évolution démographique et de l'attractivité que peut avoir un tel équipement sur les communes environnantes. Juste sur ce tout petit point, mais c'est pour bien comprendre, vous êtes en contradiction complète avec Madame Rousseau, hein, là, parce qu'elle, elle veut plutôt quelque chose de beaucoup plus petit. Pas du tout. Nous avons deux sensibilités différentes. D'accord, mais en contradiction sur ce sujet, c'est pas sur le reste, mais c'est juste pour ma compréhension, parce que comme vous prenez tous les deux la parole, ce que je comprends, c'est que Madame Rousseau veut un projet beaucoup plus petit et ailleurs, et vous êtes plutôt à vous interroger sur un projet beaucoup plus grand. Non, c'est pas ce que c'est j'ai. C'est pas ça que j'ai. Alors, non, la question que je. Mais non, mais c'est pas une. Je suis pas ironique. Non, non, mais, hein, non, mais je peux l'être, mais là non. Oui. D'accord. Là, c'est pour comprendre. Si vous voulez. Puisque votre interrogation, c'est est-ce que ce n'est pas sous-dimensionné ? Madame Rousseau trouve que c'est surdimensionné. Non, si vous pouvez me laisser m'exprimer, oui. Merci. Donc, je constate simplement que les trois projets principaux qui ont été retenus sont tous en surface plancher supérieure ou nettement supérieure au projet initial. Donc, la question que je me pose, est-ce que ça a bien été évalué ? Parce que, bon, c'est le cabinet qui fournissent un travail. Un travail professionnel parfaitement étudié. Donc, s'il n'y en avait qu'un, mais les trois proposent des surfaces supplémentaires. Donc, est-ce que ce projet est bien calibré ? C'est tout. C'est une interrogation. Je ne demande pas à ce qu'on ait. Là, on a déjà quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Hein, et je m'abstiendrai sur ce dossier, même si je suis favorable à l'idée, puisque c'est moi qui l'ai proposé en 2010. Ah non, voilà. Voilà. Donc, il faut que les choses soient claires. Mais ce projet peut-être qui nous est présenté. On devrait l'appeler en fait la cité de la musique Mouquine. Non, j'ai déjà un festival. La théorie du coucou. J'ai déjà un festival, si vous voulez tout savoir. La théorie du coucou, oui, c'est vrai. Au Puy-en-Velay, une commune qui vous est chère, il y a le festival Mouquine. Au Puy-en-Velay, ça me suffit grandement.
Voilà, je vous remercie. Bon, merci. Monsieur Savret. Oui, je vais m'associer bien sûr à votre hommage à l'historien. Ah oui. Qui a eu un parcours vraiment assez atypique. Marc Ferro. Oui, absolument. Marc Ferro, tout au long de sa vie, est remarquable. Et puis, je rappelais aussi que par rapport à Napoléon, qui pour certains se rêve en Napoléon, qu'il n'y en a eu qu'un. Et je pense que c'est. Voilà, il n'y en aura qu'un, hein, je le pense. Quoi, pardon, j'ai pas entendu. Je dis. De ceux qui se rêvent en Napoléon, je le rappelle qu'il n'y en a eu qu'un, et je pense qu'il n'y en aura qu'un de Napoléon Bonaparte, parce qu'il y en a qui se rêvent en Napoléon. Donc, pas forcément dans cette salle, mais oui. Par ailleurs. Non, juste par rapport à la Cité de la musique, c'est quand même un projet à 13 millions d'euros, donc ça nécessite quand même une certaine réflexion. Et le premier, c'est d'abord, est-ce que la destination de la prison est le bon outil pour poser la Cité de la musique au sein du pays de Meaux. Voilà, ça c'est la première question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être d'autres possibilités à mettre sur la table que celui-là et que finalement ce bâtiment aurait pu avoir une autre destination, alors après à réfléchir laquelle, mais ça aurait pu se faire aussi en lien avec les citoyens, peut-être qu'ils auraient peut-être eu aussi des idées, parce que je pense que c'est important aussi de consulter aussi les citoyens, de les faire participer, c'est la démocratie participative. Donc voilà, donc là, forcément, ce qui est formel, c'est bien sûr, une fois qu'on a lancé le projet et les appels d'offres, forcément, il y a un jury, il y a des critères, etc. Bon, c'est vrai que je n'ai pas parcouru l'ensemble des 250 pages, hein, bien sûr, qui étaient sur la table. J'ai quand même regardé quand même globalement les critères qui étaient posés, et notamment sur les trois projets. Après, c'est effectivement c'est le dimensionnement de la Cité de la musique. C'est est-ce que ça va répondre finalement aux évolutions à futur et à venir? Est-ce que ça va parce qu'on a quand même une certaine inconnue par rapport aux circulations que va générer aussi la fréquentation du secteur. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être réfléchir à faire aussi une Cité de la musique dans le quartier de Beauval, par exemple, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on a tendance à centraliser les choses, à mettre au cœur les cœurs de ville. Voilà, c'est quand même. Je pense qu'il faut aussi savoir valoriser l'ensemble des différentes strates, en tout cas des territoires. Donc voilà, ça c'est mes interrogations. Donc après, c'est vrai que les photos telles qu'on les voit, je vous le dis franchement, ce qu'il y a sur la gauche je trouve pas très valorisant, c'est pas très très parlant en tout cas. En tout cas, j'espère que ceux qui vont parler, en tout cas. Qui vont. Écoutez, là, vu comme ça, ça me fait penser un peu à Star Wars dans certains films, là, des choses un peu carrées, un peu cubiques. Ça a eu du succès, hein, Star Wars. Ça, oui, je suis très fan, hein, je vous le cache pas. Non, mais moi, je vais. Attendez, juste là-dessus. Pardon, c'est une demi-seconde pour tout simplement vous dire, c'est très bien que vous réagissiez comme ça, parce que je pense que l'architecture, c'est un élément de débat. Et c'est très très important et intéressant, et c'est bien que ce soit passionné. Moi, je trouve que voilà, c'est le principe. C'est pour ça qu'on a des grands architectes. L'école d'architecture française est une des plus importantes au monde. On a des on a eu 40 candidatures. 40. Oui, j'ai vu. Bon, j'ai vu. 40 cabinets d'architectes qui ont 13 millions d'euros, si vous, enfin 8 millions 100 de travaux. Si vous voulez, ça attire le client quand bien même. Bien sûr. Hein. 40 cabinets. Surtout en cette période. 40 cabinets d'architectes qui ont répondu de France et d'Europe. Je trouve que c'est quand même très intéressant parce que ça montre quelque part qu'il y a eu une appétence pour imaginer quelque chose. Et donc c'est toute la grandeur de l'action publique de pouvoir solliciter des candidatures et d'avoir des projets qui aussi répondent à une certaine audace. C'est ça mon point par rapport à ce que vous dites. Bien avec sûr. Forcément des débats pour et contre. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que là. J'ai compris que Madame Rousseau n'aimait pas, mais. Vu comme ça, franchement. Voilà, je vous dis, c'est. En tout cas, ce n'est pas très parlant, voilà, de mon point de vue. Merci beaucoup. Alors, peut-être, Bernard, pour répondre. Quelques éléments de réponse. Pour répondre à l'inquiétude citoyenne de M. Savret, dans le jury, il y avait trois élus de la ville de Meaux, M. Guéraud, M. Tisserand, mais nous avions le maire de Nanteuil, Régis Sarrazin, le maire de Triport,
Jean-Michel Maurer et le maire de Villenoix. Donc la dimension citoyenne a été prise en compte parce qu'eux sont au contact de leurs citoyens, de leurs usagers, ils savent ce qu'ils veulent. Donc ils ont aussi émis leur ressenti par rapport à ce projet. Sur l'étude, Madame Rousseau, vous dites la hauteur ne nous convient pas, le bâtiment ne dépassera pas la hauteur du bâtiment de la maison d'arrêt, et nous sommes, comme toujours, une fois que le cabinet a été choisi, dans une phase aussi de négociation pour peut-être abaisser un peu le bâtiment, revoir la couleur de certains intérieurs. Donc tout ça est encore dans la négociation. Mais en tout cas, le projet global, il est adopté. Sur les travaux, le coût des travaux, M. Moukine, je crois qu'on vous l'a dit en commission des finances, c'est 8 millions d'euros de travaux hors taxes, et le reste concerne l'ensemble du dispositif. Vous parlez de circulation, de capacité d'accueil en place de parking. Nous avons aussi prévu un dépôt minute devant cette cité de la musique. Vous qui êtes souvent un ardent défenseur, en tout cas Madame Rousseau, des locomotions fluides dans la ville, et bien se dire que les gens ne viendront pas tous en voiture aussi dans cette cité de la musique, c'est un élément aussi qui répond aux soucis environnementaux. D'autres questions qui étaient, je crois, sur le programme, vous nous dites pourquoi les musiciens, en tout cas ceux qui sont, on va dire, le directeur de l'harmonie et le directeur du conservatoire n'ont pas été associés. Parce que la loi nous l'interdit, mais dans le programme, la programmation, toutes les études techniques faites par la commission technique en mairie, ces gens-là ont été complètement associé. C'est pour ça que je vous disais que le domaine ou l'élément d'acoustique, il était primordial et c'était une des prérogatives du directeur du conservatoire et de l'harmonie qui vivent actuellement des conditions d'utilisation de leurs locaux qui sont très imparfaites pour faire de la musique. Donc voilà, après qu'on se prononce, M. Savré dit ça ne lui parle pas, néanmoins ça fait beaucoup parler, vous voyez ce projet, M. Savré. Donc voilà, on peut discuter. On a eu les plus grands cabinets, on a eu les plus grands cabinets d'architectes de France. Ceux qui ont produit le MUCEM à Marseille étaient aussi dans la liste. Donc je pense que c'est un projet qui intéresse l'avenir de notre culture à Meaux. Et c'est pour ça que le jury, à 8 voix contre 1, s'est prononcé sur ce projet. Peut-être un mot, parce que tu l'as peut-être pas évoqué, sur la dimension environnementale, parce que j'ai vu que Mme Rousseau balayait cela d'un revers de main, et de manière un peu bizarre, parce qu'en fait, la dimension environnementale est omniprésente dans le projet. Donc, je te passe le relais pour expliquer tout ce qui a été fait. On a sur un parvis des arbres qui vont être plantés, des aires gazonnées, un toit végétalisé qu'on va entretenir, parce qu'après, sur le bâtiment en tant que tel, On aurait mis du bois, on aurait choisi, on sait que le bois vieillit très mal. On aurait choisi du verre, on sait que le verre c'est une catastrophe, on en a l'exemple sur Meaux avec le lycée Moissan, où on meurt de chaleur l'été et où l'hiver on meurt de froid. Il faudrait donc faire là aussi un geste environnemental complètement dégradant la planète. Donc on a choisi ce projet parce qu'au-delà du côté massif, vous le voyez sur la diapo, on a des espaces ajourés qui laissent rentrer la lumière et qui, pour ma part, c'est un point de vue, M. Savré, s'intègre bien dans une démarche alliant à la fois le moderne et le patrimoine, et puis dans une emprise foncière qui va de la place Henri IV jusqu'au cinéma. Du bloc. Il y a pas alors, je vais essayer de vous le retrouver, je vous voilà. Donnerai et ça. Puis, vous parlez de toit végétalisé, mais c'est mis dans le dossier que le toit serait en métal rouillé. Style métal rouillé, c'est mis. Donc, c'est... Ouais, non, là, le toit végétalisé, c'est ce qui entoure. Le toit du bloc. Si on pouvait avoir la vue, le plan d'ensemble, vous verriez que, bien sûr, le toit végétalisé... Voilà, sur le toit de l'auditorium, non, mais toutes les parties arrière, c'est le toit végétalisé. Donc, c'est très beau, en plus, là, honnêtement. Ce que vous avez à l'arrière des bâtiments, pas sur le parvis, mais à l'arrière, tout l'espace défini en vert et le toit végétalisé. Et les places de parking, elles sont à niveau sous l'auditorium. Elles sont en rez-de-jardin. En rez-de-jardin. On a utilisé le dénivelé du terrain. Madame Rousseau, juste une chose. Ça fait 3 fois que vous le dites et que vous l'avez écrit. Le mot « blocos » est un mot qui est très insultant. Je voudrais vous le dire simplement parce qu'il renvoie quand même à une période de l'histoire qui est juste un cauchemar absolu pour l'histoire de l'Europe. Et je pense que, moi, j'ai aucun problème avec la polémique, vous ferez ce que vous voulez, mais je me permets d'insister sur le fait que si vous pouviez trouver un autre mot que ce mot qui, honnêtement, nous met tous très mal à l'aise,
parce qu'il est insultant pour la Cité de la musique Simone Veil, je pense que nous serions nombreux à y être sensibles, indépendamment de l'opinion que vous pouvez avoir sur l'architecture. Mais c'est ce à quoi ça fait penser, effectivement, en le voyant, et c'est la réaction qu'il y a eu sur Facebook. Écoutez, encore une fois, il s'agit là d'accueillir des dizaines de milliers, au fil des années, d'enfants, de parents, de familles, pour exprimer leur art. Et donc, je réitère le fait que le terme blockhaus a pu être utilisé pour décrire des bâtiments qui, malheureusement, étaient symboles de mort et de haine. Voilà. Et là, il s'agit de caractériser une cité de la musique, Simone Veil, qui vient apporter de l'épanouissement, de la considération et, je l'espère, du bonheur pour ceux qui s'y rendront. Voilà. Donc, objectivement, trouvez d'autres mots. Je suis sûr que vous êtes très créative et que vous trouverez les mots adaptés. Celui-là, oui, vraiment, n'est pas le meilleur. Voilà. Et sauf votre respect, Madame Rousseau, un blockhaus est un ouvrage militaire bétonné, isolé et de petite taille. Donc même la métaphore est mal choisie. Voilà. Et par ailleurs, donc, il a servi à beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que nous avons vocation à faire ici. Attendez, parce que vous parlez beaucoup, il y a d'autres gens qui souhaiteraient s'exprimer. Merci. Oui, parce que depuis le début, on a le sentiment quand même que ce projet est très centré sur mots. Mais parce que c'est peut-être un débat aussi que vous avez au sein du conseil municipal de Meaux. Non. Vous avez quand même plusieurs fois évoqué Meaux, son histoire, redonner... Non, mais si on pourrait relire votre discours. Oui, vous pourrez le relire, oui. D'accord. Je veux quand même rappeler que c'est vous l'avez dit, c'est à vocation de tous les habitants de la CAPM. Mais moi, je constate quand même que pour venir dans Meaux en voiture, c'est très compliqué. Et même s'il fallait que je dépose mon enfant à un cours pour une demi-heure ou une heure, je me vois mal le faire en dépose-minute, revenir chez moi et venir le chercher, faire Meaux-Choconin suivant l'heure à laquelle on le fait, ça peut vous prendre largement plus de temps. Voilà. Donc, d'une part, disons que quand même, c'est très central, c'est centré et central. La circulation pour descendre à Meaux, tout le monde le sait, c'est compliqué. Pourquoi il n'y a pas de liaison douce? J'ai vu qu'il n'y avait pas de prévu d'arceau pour les vélos. Les pistes cyclables, vous le savez, pour venir pour Choconin, c'est pas fait. Il y avait aussi des interrogations. J'ai vu que le candidat retenu pour la qualité de l'air. Alors, est-ce que c'était moyen? Est-ce que vous avez des garanties? Est-ce qu'une fois que le projet est choisi, ma question c'est est-ce que vous pouvez discuter les points faibles du projet? Bien sûr. Voilà. Et ensuite, mon autre interrogation, est-ce que vous avez estimé le coût d'entretien de ces bâtiments? Voilà, parce que je vois que c'est très haut, nettoyer ces verrières qui sont en hauteur, toutes ces fenêtres, est-ce qu'on a une estimation du coût d'entretien et du coût de chauffage, d'éclairage, etc. Voilà. Bien, alors, je pense avoir dit plusieurs fois, madame, c'est un projet qui s'est adressé à tous les usagers de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Mais je vous le signale à nouveau que quand je disais que ça s'intégrait dans un projet culturel global, je pense qu'on partage tous, et on va vous le démontrer très rapidement sur la lecture publique, sur le projet autour de la MJC, que vous êtes tous intégrés, bien sûr, dans ces projets. Quand vous venez sur la MJC, on a les mêmes problèmes de parking que vous évoquez. Par ailleurs, vous posez le problème de ce qu'on a entrevu comme coût de fonctionnement. C'est prévu, donc il n'y a aucune inquiétude. On a même vu également, parce que ça peut créer en termes de commerce pendant les travaux, des perturbations par rapport aux places de parking. C'est aussi prévu, on a un plan qu'on pourrait appeler plan B pour permettre aux commerçants qui sont dans la zone, notamment un restaurant, d'avoir une aire de parking d'accueil de ses clients. Donc on a envisagé les choses, on ne s'est pas prononcé. Le jury a commencé à 10h et s'est terminé à 14h. Et donc on a pris 4h pour non pas simplement faire une rapide étude de c'est beau, ce n'est pas beau, ça me plaît, ça me parle ou ça ne me parle pas. C'est simplement qu'à un moment donné, on s'est posé toutes ces questions parce qu'elles sont essentielles au niveau du fonctionnement et pour que justement les usagers, qu'ils soient de Meaux ou des communes avoisinantes, soient accueillis dans les meilleures conditions de pratique musicale. Mais enfin, ce qui est quand même intéressant, est-ce qu'on peut avoir une idée du montant, du coût de fonctionnement de ce bâtiment à la suite, quand même pour se faire une opinion?
Et enfin, mon propos n'est pas de remettre en cause tous ces projets culturels, pas du tout. C'est de montrer la difficulté qu'ont les habitants des petites communes qui sont éloignées du centre, même des villes comme Trilport, Villenoy, qui touchent Meaux et qui ont des bus, un système de bus qui fonctionne très bien, par rapport à... Voilà, enfin, nos habitants de villages éloignés auront plus de difficultés à se rendre dans ces lieux culturels que les habitants de Meldois, ou des villes, des grosses communes proches. C'est tout, c'était juste ça. Non, je ne remets pas en cause... Non, mais juste pour répondre, parce que, encore une fois, moi, je vous entends très bien et je comprends ce que vous voulez dire. La seule chose, vraiment, moi, je ne peux pas laisser dire que c'est uniquement un projet pour Meaux, parce que, objectivement, enfin, tout ce que nous menons depuis 2003, c'est une réflexion communautaire sur tous les sujets. Il faut quand même être de bonne foi. Pourquoi est-ce qu'on a voulu cette communauté tous ensemble? Et j'en parle sous le contrôle d'un certain nombre de ceux qui ont été aux premières loges lorsqu'on a commencé nos discussions. C'est qu'un certain nombre de collègues maires des villages autour nous disaient « On a d'énormes difficultés à accéder à des services publics de qualité parce qu'on n'a pas forcément les budgets au niveau de notre commune. On n'a pas les mêmes tarifs sous prétexte que nos habitants habitent à Choconin » ou à Trilport, ou à Nanteuil, que quand on habite Meaux. Et donc, cette communauté d'agglomération, elle vise justement à permettre une uniformité complète des tarifs, complet, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous aurez le droit, à l'intérieur de la communauté du pays de Meaux, au même tarif sur la cité de la musique Simone Veil. Quand même, je me permets de le rappeler, c'est pas anecdotique, mais c'est quand même très important, c'est l'intérêt de la dynamique ensemble. Après, les transports, ben bien sûr, mais si vous voulez que je vous dise, on se bat pour nos transports, on fait du mieux qu'on peut, c'est sûr que celui qui habite juste à côté d'un équipement, il a moins de frais de transport, ça c'est sûr, mais c'est valable pour tout l'accès à Meaux, pas seulement pour la culture, c'est vrai pour aller au marché le samedi matin, c'est vrai pour aller faire je sais pas quoi, telle activité sportive ou autre. Donc on essaie de rapprocher au mieux qu'on peut. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bien sûr, on a cette, mais au moins on est ensemble et on est soudés, quand c'est dur et comme quand c'est heureux, c'est aussi ça le chose. Je voulais peut-être passer la parole à deux collègues qui ont été membres du jury. Alors, Régis et Jean-Michel, je ne sais pas dans quel qui souhaite prendre la parole, mais Jean-Michel. Le maire de Trilport, ce qu'il doit dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas résumer une dynamique de territoire à la seule ville de Meaux. Ça, c'est un préalable, c'est sûr, qu'il faut prononcer. Et très clairement aussi, je fais appel aussi à l'humilité de tous. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur projet du monde. Je vais vous dire en toute honnêteté comment moi je me suis situé par rapport à ça et au projet qui a été fait. D'abord, premier point, je remercie le maire de Varennes de m'avoir donné ce tour-là. Donc, il y avait trois projets. Objectivement, sur les trois projets, c'est pas le moins mauvais, c'est le meilleur. Subjectivement, j'assume ma subjectivité. C'est le meilleur, pourquoi ? Une cité de la musique, c'est pour faire quoi ? C'est pour écouter de la musique, c'est pour aussi faire de la pratique artistique. Donc il y a un côté fonctionnel, utilitaire. Les deux autres projets qui nous étaient proposés présentaient beaucoup de difficultés par rapport à ça. Deuxième point, sur l'environnement, certains connaissent la sensibilité que j'ai au niveau architectural et au niveau environnemental. Des trois projets, c'est le projet qui est le plus respecte le végétal. Les places de stationnement sont, comment dire, là où elles doivent être, c'est-à-dire pas la place des plantations. C'est celui qui est le respecté le mieux la mobilité, les mobilités douces. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un parvis, mais il n'y a pas que ça. La manière d'y arriver, effectivement, change la perspective. Alors, l'humilité que j'ai aussi, c'est celui du maire de Trilport, qui est qu'effectivement, c'est une œuvre architecturale qui ose. Elle ose laisser dans son jus la prison. Elle ose effectivement donner de l'ampleur à ce qui doit avoir de l'ampleur par définition pour que le son se développe, qui est l'acoustique, qui est l'amphi, la salle. Soit on n'en veut pas, et il n'y a pas de souci, on fait quelque chose de plus petit, mais pour une cité de la musique, c'est quand même dommage. C'est-à-dire que cela... Alors, pour reprendre, les collègues connaissent ma sensibilité aussi de dire que tout ne peut pas se faire à Meaux. On a un vaisseau amiral, donc ça veut dire aussi qu'il y aura des flottes ailleurs par rapport à la musique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, clairement, la question était, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas?
c'est est-ce que la plénitude de l'argent public qui sera investi dans cet équipement fera que cet équipement sera fonctionnel ou pas. Des trois projets, c'est celui qui répondait le plus aux questions à ce niveau-là. Après, effectivement, j'assume le fait que ce parti pris architectural peut choquer, interpeller. J'étais pour Beaubourg, moi, au départ. Sauf que Beaubourg n'était pas du tout fonctionnel. Là, on a un ouvrage qui, au niveau du traitement des flux, qui sépare à la fois ceux qui vont faire la pratique musicale quotidienne ou ceux qui vont au spectacle. Ça veut dire qu'il y a la sécurisation des flux, il y a le contrôle des flux. Par rapport à la mobilité, parce que effectivement, si c'est le parcours du combattant pour y aller, c'est un problème. Dans la rénovation des transports du pays de Meaux, qui n'est que l'amorce, hein, que ce soit clair, le VP que je suis au niveau des mobilités connaît trop les points faibles du dispositif pour dire qu'on est génial. On a progressé, mais la feuille de route est encore grande. On est sur une place, place Henri IV, qui est près du cinéma, qui emballe la rue piétonne, qui peut devenir aussi on veut dire un pôle par rapport à cela. Donc je veux dire, il y a aussi une idée sur la mobilité, y compris douce, y compris au niveau au niveau des vélos, etc. Il y a cette réflexion-là. Donc cette réflexion sur l'environnement, sur la mobilité, elle a été prise en compte. Elle est plutôt mieux traitée dans ce projet que sur les trois autres. Effectivement, il y a ce que certains appellent un blocos ou pas, peu importe. Effectivement, ça prend du volume. Mais ça respecte la prison. C'est-à-dire que très clairement, on n'a pas planqué la prison, on a deux bâtiments qui sont reliés. Et qui sont reliés pour ceux qui ne vont pas à la prison, mais qui iront s'entraîner à la pratique musicale. Ça peut fonctionner comme cela. Et c'est relié également par justement un traitement des flux qui est intéressant sur ceux qui iront écouter de la musique avec, et là je tiens à dire deux choses, l'humilité de l'élu par rapport à l'étude et la qualité de l'étude qui a été faite en amont. J'ai demandé la carte de visite, même si le budget de Trilport ne me permettra pas d'aller aussi loin que le Pays de Meaux, parce que j'ai trouvé objectivement, et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'on n'ait pas pu, et je comprends la frustration des collègues, hein, parce que 4 heures, et ne pas retirer une enveloppe, enfin je veux dire un plan, ou le guide méthodologique qui nous a mené à prendre ces décisions, parce qu'attention, c'est pas 15 pages, hein, avec l'explication aussi de l'assistant maîtrise d'ouvrage qui a fait exceptionnellement ce travail, nous a quand même permis de dégager, avec toute l'humilité, du fait que un ouvrage, on ne le voit qu'après, hein, que ce soit clair. Eh bien, effectivement, très bonne qualité d'analyse fonctionnelle, très bonne qualité d'analyse sur tous les postes, et puis surtout, totale prise en compte des demandes des musiciens. Parce que la question, à un moment donné, se posait, puisqu'il y avait des débats, hein, y compris si 8 sur 9 se sont positionnés en 1 sur ce budget, c'est 8 personnes indépendantes, hein, que ce soit clair. Moi, je n'ai pas demandé mon avis à quiconque pour me positionner sur ce projet, hein. Je l'assume. Je l'assume même si, effectivement, certains le trouvent pas beau, disgracieux, etc. Par contre, je peux vous dire que c'est le plus fonctionnel. C'est celui sur lequel, effectivement, une cité de la musique mettra la musique au cœur de ce qu'elle doit être et du projet. Régis, peut-être, de son côté, tu peux nous dire aussi ton analyse et ton recul par rapport à ça. J'essayais de ne pas paraphraser mes collègues, mais oui, j'étais de cette commission fort intéressante. Bien préparé, d'abord une multitude de projets, la première, hein, plus d'une quarantaine de projets. De ce quarantaine de projets, on en a tiré 3, c'était pas simple. Hein. Bernard Le Cicero a raison de dire qu'il y avait les plus grands autour de... On était même tenté d'en prendre un grand, mais bon, on en a retenu 3. Et puis sur ces 3, alors revenir sur le projet architectural, les goûts et les couleurs, ça appartient à chacun. Mon collègue rappelait Beaubourg. Oui, Beaubourg a été vilipendé et jeté à la poubelle. Aujourd'hui, on se pâme devant. Du monde entier. Les colonnes de Buren, on aime, on n'aime pas. Aujourd'hui, elles sont là et elles ont leurs détracteurs toujours. Et puis, elles ont aussi leurs supporters. La culture, toutes ces choses. Moi, je trouve qu'avoir un parti architectural assez intéressant, nouveau, qui fait parler, bien sûr, qui fait parler, et avec des matières, avec des choses. Et je reviens sur les matières, parce que j'ai entendu parler tout à l'heure de développement durable. Oui, j'étais autour de cette table et j'ai posé les questions, tu l'as dit, Jean-Michel.
À ce propos, le toit végétalisé, c'est important, plus de 150 mètres carrés. En plus, on a un reconditionnement d'un bâtiment, déjà, ce qui n'est pas simple, hein, reconditionner un bâtiment. Et puis, on n'en est qu'aux prémices. Il va y avoir un certain nombre de négociations sur les matières à utiliser, sur les choses à utiliser, sur les travaux. On parlait des travaux, on aura encore des choix à faire qui seront connotés développement durable ou pas. On aura encore ces choix-là à faire. Concernant les autres projets, il y en a qui ont été écartés parce qu'on estimait que les coûts de fonctionnement, les hauteurs de plafond, il y en a certains, il y en a un entre autres, qui avait des hauteurs de plafond avec des verrières impossibles, et on s'est dit jamais on arrivera à nettoyer tout ça. Donc c'est une suite logique de discussions de nous tous avec des avis différents. Alors je comprends, oui, la frustration de ne pas en faire partie, mais tout le monde pouvait en faire partie, tout le monde aurait aimé en faire partie. Mais je peux vous assurer que les gens qui étaient autour de la table avaient cet esprit critique et ont posé les bonnes questions. Et puis je terminerai pour dire qu'on est aussi devant l'avis des spécialistes. Il y avait des spécialistes, il y avait des types qui passent leur temps à écouter si ça rend bien. Et on avait ces avis des spécialistes qui nous ont confortés dans tout ça. J'ai déjà assisté à beaucoup de commissions d'appels d'offres. 8 sur 9, c'est bien. Hein. C'est plutôt même une belle unanimité. Voilà. Et concernant les liaisons douces et autres, je suppose qu'on y installera avec un grand bonheur des arceaux pour mettre les vélos ou les patinettes ou toutes ces choses-là. Je crois que ça ne soit pas représenté sur le dessin, on peut le comprendre. On y veillera. En tout cas, moi, j'aurai une attention particulière pour les gens qui viendront à bicyclette de toutes les communes avoisinantes. Et puis, je crois qu'il y a des plans vélos qui sortent un peu partout au fur et à mesure du temps. Et bien, tout ça, ça confortera le projet et ce côté écolo qui est fondamental et important. Merci. Oui ? Une précision financière. Donc l'enveloppe, j'ai bien noté, de 13 080 000. Et donc le projet bleu qui est retenu dépasse d'un million, environ un million. Est-ce que ce million supplémentaire est inclus dans les 13 millions ? Non. Ou est-ce que c'est 13 millions plus 1 million ? Relatif au projet bleu. C'est 13 millions le projet initial des TC, donc ce million qui est une phase de négociation maintenant pour essayer d'amoindrir ce coût supplémentaire, c'est ce qui présidera à nos délibérations, en tout cas avec le cabinet d'architectes, avec la maîtrise d'ouvrage, pour essayer d'amoindrir ce coût supplémentaire, M. Mouquine. Je rappelle d'ailleurs que nous avons ce savoir-faire, puisque lorsque nous avons fait construire le musée de la Grande Guerre, nous avions un budget initial de 30 millions d'euros et qu'il a été respecté intégralement et qu'il n'y a eu aucun dérapage. C'est exact. Donc nous travaillerons exactement sur la même logique et la même démarche, et ce sera piloté par la communauté d'agglomération et par personne d'autre. Nous y veillerons. Vous y veillerez, c'est nous qui y veillerons. Et nous également. Vous me poserez des questions, je vous répondrai. Mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, on n'est pas dans un soviet. Juste peut-être quelques ultimes remarques avant qu'on passe au vote pour que vous ayez bien tous les éléments. D'abord, je voudrais rappeler que ça s'inscrit dans un projet global parce que nous sommes en train de réfléchir à un projet d'académie des loisirs qui conférerait une image renouvelée à la MJC. Donc c'est à ce stade pour l'instant une réflexion. Hein, on a commencé à l'initier. Et j'ai demandé à Bernard Le Cicero, à Jérôme Tisserand et aux membres de la commission culture de commencer à travailler sur le sujet en partenariat avec la présidente et la directrice de l'actuelle MJC, parce qu'elle est trop serrée. Et là, par exemple, typiquement, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on trouve des formules qui soient plus adaptées. Mais ce qui est sûr, c'est que cela nous amènera naturellement à avoir une sorte d'effet domino positif par rapport à la création de la Cité de la Musique, parce que forcément, ça va faire bouger un petit peu la tectonique des plaques. Deuxièmement, l'ouverture de la Cité de la Musique va entraîner la libération du château appelé Château Frot, qui est actuellement le lieu d'accueil du conservatoire. Et donc, évidemment, que ce sera certainement une option pour accueillir une partie de ce qui était l'ancienne MJC et qu'on voudrait appeler autour de la notion d'Académie des loisirs. Bon. Mais on va également avoir plusieurs antennes qui vont être réparties à proximité. La chapelle Marquelet de Lanoux, 210 mètres carrés pour les cours de danse, de théâtre. L'espace Caravelle pour des cours de langue. Le petit théâtre de Montion,
dans la maison de domaine de Jean-Claude Brialy pour proposer des petits stages pour l'Académie Junior. Et certainement qu'on va être amené à réfléchir avec vous, collègues maires, sur la possibilité d'avoir des activités spécifiques dans vos communes pour le compte de l'agglomération. Et ça, ça fera partie des sujets dont on va avoir l'occasion de parler et qui sont possibles parce que, justement, nous allons avoir cette cité de la musique. D'autre part, nous avons en tête de créer une académie mobile des loisirs, un camion scène en fait, qui réaliserait des interventions, des initiations et des animations sur les places des villages, des communes de la CAPM. Et là encore, ça répond à ce qu'évoquait tout à l'heure Aline, ça fait partie des sujets sur lesquels il y aura des choses très, très intéressantes à faire. Par ailleurs, je voulais vraiment dire à Mme Rousseau, parce que j'ai vu qu'elle était très critique, moi je demande juste une chose, critiquer sur des choses vraies, pas sur des choses fausses. Voilà. Quand vous dites il n'y aura pas de parking, ça je ne peux pas l'entendre, ce n'est pas vrai. Et donc nous, on fera une contre-offensive quand même très 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 ferme contre les fake news que vous pourriez être amené à propager. Parce que moi, là-dessus, je ne veux pas qu'on induise nos administrés en erreur sur des choses qui ne sont pas vraies. Donc typiquement, Bernard d'ailleurs a répondu tout à l'heure, il y aura au total 98 places de parking. Donc on est sur un effort très, très significatif dans ce domaine. Et c'est important puisque c'est un équipement communautaire et que des gens viendront évidemment en voiture. Voilà. Donc je voulais vraiment insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Écoutez, si personne d'autre ne demande la parole, je ne vois pas de main qui se lève. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on passe au vote. Alors, j'ai noté... Simplement, Monsieur le Président, oui, donc la délibération, on vote pour la désignation du groupement donc, qui a été choisi AA Groupe et qu'on autorise, conformément à la proposition du jury, le versement des indemnités aux deux candidats non retenus, comme l'exige la loi, puisqu'ils ont concouru. Et donc, on est obligé de leur verser une indemnité pour avoir concouru. Oui, voilà. Ça, c'est la loi. Voilà. Absolument. C'est la loi, c'est prévu dans le budget. Alors... donc, qui vote contre, j'ai noté Madame Rousseau. Qui s'abstient, j'ai noté Monsieur Moukine, Mme et Monsieur Savray. Y a-t-il d'autres? Monsieur Bachmann. Pas d'autres votes? Très bien. Donc, c'est adopté. Je vous en remercie. Il y aura donc maintenant un travail à faire hein, pour affiner les projets, pour regarder un petit peu les choses dans le détail, pour voir hein, notamment la question de la hauteur. Voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles maintenant il appartient au vice-président en charge de ce dossier, d'animer les choses avec la commission culture et les uns et les autres. Voilà. Alors, nous passons maintenant à un deuxième point important de notre conseil, qui est de nature complètement différente, qui est l'adhésion au groupement d'intérêt public Paris-CDG Alliance. Donc, si, là, pour le coup, c'est moi qui vais présenter cette délibération. En gros, vous connaissez l'historique de tout cela. Nous avons décidé, avec mes trois autres collègues, de l'agglomération de Roissy, de Pays de l'Ourcq et de Plaine et Monts-de-France, de poursuivre notre travail, non pas au sein de ce pôle métropolitain, mais de ce groupement d'intérêt public qui va donc permettre un développement concerté dans les domaines de développement économique, des transports, de l'habitat, du développement durable, du tourisme. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous allons mettre en place. Et mes collègues qui connaissent bien ces sujets m'ont vivement recommandé de me rapprocher des responsables de Charles de Gaulle Alliance, qui est un GIP, Paris Charles de Gaulle Alliance, qui est un GIP spécialement dédié à l'emploi et à la mise en compétence dans le domaine de l'aéronautique, de l'avionique et de l'aéroportuaire, et pour toutes les entreprises du Grand Roissy. C'est évidemment pour nous une opportunité majeure de pouvoir, au sein de ce GIP, faire bénéficier nos administrés des perspectives de formation et d'emploi. Je me suis donc rendu sur place pour voir un peu comment tout cela fonctionnait. Alors, il faut savoir que sont membres, excusez du peu, l'État, la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol, la communauté d'agglomération de Roissy, le groupe ADP Air France et les chambres de métiers, d'artisanat et chambres de commerce. Donc vraiment les acteurs institutionnels, économiques. Donc ça a beaucoup de sens que le Pays de Meaux y adhère au regard de notre stratégie d'attractivité. Donc c'est une adhésion qui est de 60 000 euros par an et du coup qui permet à la CAPM de bénéficier de toutes les infrastructures et de toute la logistique pour trouver des emplois.
et des formations. Donc c'est évidemment pour nous un élément très important et puis une manière de peser dans la réflexion d'ensemble sur ce territoire pour l'avenir de ce secteur qui a quand même été très marqué, on a eu ce débat la dernière fois, par la crise du Covid. Je suis allé sur place avec Franck Gourdi, on a ensuite eu une assemblée générale du GIP donc à laquelle j'ai été convié pour présenter notre candidature le 14 avril. Il y a eu une adoption à l'unanimité. Je crois que tout le monde est très content de voir le Pays de Meaux rejoindre cette instance. On aura donc l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que c'est un élément très, très important pour notre stratégie d'attractivité. Alors, je propose peut-être que Franck Gourdi, qui m'accompagne sur ce sujet avec Stéphane également, à Duvauchel, qui est là également. Franck, tu veux peut-être présenter la Délib? Oui, ben en fait, ce qui est important à retenir, c'est que quand nos enfants seront formés à la musique, ils vont se poser la question de savoir quel métier ils voudront faire. Et du coup, on peut même le faire en parallèle. Voilà. Et du coup, les débouchés dans l'aéronautique sont et seront importants. Et de siéger là, ça nous a confirmé cette idée, puisque les gens qui aujourd'hui sont les décideurs d'Air France, du groupe ADP et d'autres, nous disent on connaît une crise sans précédent, on fait effectivement des plans de départ volontaires, des plans de licenciement, et on voit des compétences partir, on n'a pas le choix. Donc former aujourd'hui les gens dont on aura besoin très bientôt, donc on est vraiment dans un timing parfait, et d'être à la même table que ces gens-là, ça nous conforte dans l'idée que le virage qu'on a pris depuis 2015 autour du secteur de l'aéronautique était vraiment judicieux, et on a aussi la possibilité de faire la promotion de notre centre de notre centre de formation Paul Guynemer, pardon, pour justement que nos enfants puissent avoir ces ouvertures à tous ces métiers, à toutes ces entreprises. Donc nous vous demandons d'adopter et d'autoriser l'adhésion pour un montant de 60 000 euros au GIP Paris CDG Alliance. Merci beaucoup. De demande de parole? Oui, M. Savret. Monsieur oui le Président. J'ai proposé la parole à Monsieur Savret, mais. Non, c'est parce que je suis là depuis 5 minutes. C'est pas grave, c'était juste. Vas-y. Ça va pas être très long. Mais non, mais vous excusez pas, Monsieur Savret. Non, je m'excuse pas. Je vais vous justifier, vous prenez la parole. Je dis juste que ça va pas être très long. Non, j'ai lu les documents. Alors moi, je suis toujours très enthousiaste à qu'on ait des perspectives pour développer le tissu économique, d'emploi, de formation, tout ce que vous voulez. Mais à la lecture des documents, j'ai quand même le sentiment que on vient se raccrocher dans ce qui est une chose très très bien sûr qui se comprend, qui fonctionne dans ce GIP, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt qu'on se rajoute dans le schéma de fonctionnement, et que notre poids en la matière, j'ai un ressenti quand même où finalement notre capacité à peser ou avoir des retours me semble quand même assez. Je suis assez dubitatif sur la capacité à avoir des retours. Bon, écoutez, on verra c'est mon ressenti à la lecture. Non, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre. Mais voilà, on sent bien que quand même dans le fonctionnement, c'est quand même bien centralisé, et que là-dedans, il y a quand même des acteurs de poids qui pèsent et qui ont quand même. Vous trouvez que je ne suis pas assez gros, en fait, c'est ça votre non, idée mais on a, non, mais c'est juste pour donner, pour que nos spectateurs comprennent, c'est que c'est le 77, le 93, le 95, c'est trois voix chacun. Donc il y en a d'autres, il y a d'autres acteurs, et bon, je pense qu'ils ont quand même l'habitude de fonctionner ensemble, puisque nous, on vient se raccrocher dans le truc. Donc voilà, pour faire sa place, j'ai quand même quelques doutes, quelques interrogations sur une capacité. Alors vous allez me dire, c'est toujours mieux d'avoir le pied dans la porte que d'être devant. Je suis d'accord. Mais voilà, bon,
j'espère que les 60 000 euros qu'on va investir auront écoutez, un retour sur investissement. Voilà. Comme vous dites, comme vous prenez un proverbe sur le fait de prendre le pied dans la porte, je préférerais volontiers à la vérité si je mens, puis vous avez l'air d'être amateur de cinéma, donc on donne sa chance au produit. Bon, voilà, je vous propose de me faire confiance. On n'y va pas pour enfiler les perles, hein. Ça je vous le confirme, ce n'est pas mon genre, d'abord parce que par tempérament, j'ai horreur de la réunionnite. Je pense que les réunions denses et efficaces, c'est toujours mieux que les réunions qui durent 4 heures. Et donc, de ce point de vue, moi, je n'y vais que pour un seul objectif, apporter la parole de notre territoire Nord-Seine-et-Marnais à une instance qui, jusqu'à présent, en ignorait même l'existence. Et donc, de ce point de vue, le fait d'être dedans, ça ne va pas être simplement pour mettre le pied dans la porte, c'est pour faire des propositions, parce que nous avons des atouts que nous souhaitons faire valoriser au sein de ce GIP. Vous savez, l'État, il a besoin d'interlocuteurs, on ne peut pas faire tout seul. La région, pareil. Et si demain, nous arrivons à faire en sorte que la région, on verra ce que donneront les élections, mais si les électeurs décident de renouveler leur confiance à Valérie Pécresse, qui suit évidemment de très près nos sujets aéronautiques, inutile de vous dire que ça peut être un plus tout à fait important et intéressant de rééquilibrage. Donc on va l'évaluer ensemble. Vous savez, moi, je suis très pragmatique, vous aussi. S'il apparaît qu'au bout de 2-3 ans, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien d'en être, on partira. Hein. Mais mon intuition est qu'on peut faire des choses à l'intérieur de ce GIP. Voilà, à condition, effectivement, de contribuer à son renouvellement. Mais ça, ce sera notre mission. Bon, donc voilà, je voulais vous faire part un peu de mon ressenti, de mes doutes. Voilà, il va falloir quand même porter sa voix. On va essayer. Vous savez, je suis porte-parole de carrière, moi, donc on doit y arriver. Alors, monsieur Moukine. Merci. Vous êtes pour vous, j'espère, quand même. Merci, Gilles. Je partage les mêmes interrogations que Gilles. Nous ne sommes pas concertés, je le jure. Vous proposez, après l'échec retentissant du pôle métropolitain... Ça va. Non, mais on a l'impression que ça vous réjouit. Ça m'énerve. Soyez pas réjouis, c'est triste. Donc, qu'est-ce que l'échec retentissant avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est pas... Franchement, personne n'est heureux de ça. Et on a trouvé une solution qui est très bonne, c'est de faire avec ce groupement d'intérêt public la même chose. Donc voilà, tout va bien. C'est bon. N'en rajoutez pas. C'est pas cool. Hein. Donc, je vous disais qu'après l'échec retentissant... Qui sent, mais c'est ce que vous avez écrit sur le papier. Compris, d'accord. Non, alors, lisez le papier. J'ai compris. Okay. Lisez votre papier. Vous nous proposez donc l'adhésion GIP Paris CDG Alliance. Charles de Gaulle, pour ceux qui ne connaissent pas. Le titre, déjà, est assez symbolique. Paris, c'est déjà Alliance. Il n'est pas question du pays de Meaux. Je voterai pour, que ça soit clair, mais je tiens à ce que les choses soient claires. Pour les téléspectateurs... Non, mais attendez, je n'allais pas débarquer en disant, je vous préviens tout de suite, il faut que vous m'acceptiez que vous mettiez Charles de Gaulle, Alliance, pays de Meaux. Ils n'ont pas mis non plus d'autres pays. Hein. Ils n'ont pas mis région Île-de-France. Ils n'ont pas mis... Vous voyez, donc, nous serons le 12e membre du conseil d'administration. Qui, comme vous l'avez souligné, est constitué de poids lourds, très lourds, donc institution ou collectivité. Donc dans ce conseil, parce qu'au-delà des mots, il faut regarder un petit peu la réalité de la composition du conseil d'administration. C'est ce qu'a évoqué à juste titre Gilles, et il ne faut pas donc raconter de salade aux téléspectateurs qui nous écoutent. Donc il y a 39... Pourquoi vous dites les téléspectateurs, on n'est pas sur TF1, hein. Je ne sais pas pourquoi, vous avez fait trois fois que vous dites les téléspectateurs. Les personnes qui nous regardent sur leur écran sont pour moi des téléspectateurs. Ah d'accord, oui, voilà. Enfin, restons calmes, non, mais parce qu'on a l'impression qu'on est en mondovision, ça, c'est un conseil important, le conseil d'agglomération du Pays de Meaux. Je ne sais pas comment vous qualifiez les personnes qui nous regardent. Comme ça, c'est les personnes qui nous regardent. D'accord, bon, je les qualifie de téléspectateurs, voilà. Et donc il y a un conseil d'administration de 39 membres, et donc nous n'avons que 3 voix sur 39, un 7,5%. Et donc on pourrait se dire que la présidence sera tournante et que nous aurons donc dans quelques temps la présidence. Non, tout cela est parfaitement verrouillé. Et donc la présidence, comme vous le savez, monsieur Copé, est assurée donc par... Le préfet, ce qui est normal, en alternance avec la présidente de région. La présidence... Et la vice-présidence du groupement sont assurées par le représentant de l'État, le préfet, et celui de la région. Monsieur Moukine, le préfet, c'est pas un ennemi. Le préfet, son rôle, il est de faire en sorte d'équilibrer les territoires. C'est son rôle, il représente l'intérêt du pays. C'est un procès d'intention qui n'a pas de sens. Quant à Madame Pécresse, excusez-moi, elle est présidente de la région, c'est une amie, c'est pas une ennemie. Donc je vois pas trop le truc. Ils ont pas intérêt à opposer les gens les uns aux autres, mais plutôt que ça marche ensemble. Je vous l'ai dit, je voterai pour. Ah ben en plus, alors c'est pas la peine. Déjà dit, et vous ne m'écoutez pas beaucoup. Je le regrette. Faut dire que là, honnêtement, je voulais simplement que les choses soient cadrées
hein, que l'on ne nous laisse pas penser que nous allons arriver comme ça et donc décider de tout. Là, nous sommes dans une... Qui nous a dit qu'on arrivait comme dans, ça ? Dans un groupement, donc, il y a des institutions de poids et nous sommes donc un petit élément. Nous avons 3 voix sur 39. Oui. Pour l'anecdote, 3 voix, je vous signale qu'on a autant de voix que Roissy, qui fait 3 fois plus d'habitants. Quand même. Je le sais. D'accord. Non, mais comme vous ne le disiez pas, mais ça change un peu votre raisonnement. Hein. Non. Non, ça ne change pas. Bon, alors, ça non, change parce pas. Que Roissy-Charles de Gaulle, le pays de Roissy-Charles de Gaulle, que je connais très bien, hein, puisque j'y travaille depuis 45 ans. Vous prenez l'avion, oui. Non, j'y travaille. Je travaille sur ce territoire. J'habite à Meaux, je travaille sur ce territoire. Donc, vous le savez comme moi, et ça a été une des raisons de l'échec du pôle métropolitain, ils ont des alliés très sérieux. Nous, pour l'instant, nous débarquons dans cette... Vous l'avez dit que vous y mitriez toute votre volonté, votre détermination. Donc, nous sommes assis en bout de table. Voilà. Donc, nous sommes assis autour de la table. Il vaut mieux ne pas y... En gros, mais je comprends pas. On est d'accord. On est d'accord. Dans ce cas, votez contre, monsieur Bouquin. Il faut être cohérent. Soit vous êtes pour, et dans ce cas, vous êtes là pour nous encourager. Soit vous êtes contre, et dans ce cas, vous dites « je suis contre parce qu'on est en bout de table ». Mais écoutez, vous ne pouvez pas dire « je vote pour et vous êtes en bout de table ». Il y a un moment où ça suffit, l'incohérence. Moi, je suis désolé, vous n'allez pas nous... Ce n'est pas une faveur que vous me faites parce que vous votez pour. Ou bien vous croyez à l'opportunité, l'utilité, le sens que nous donnons à entrer dans une association dans laquelle nous sommes jusqu'à présent totalement exclus, de sorte qu'aucun investissement et qu'aucune initiative ne sont prises sur notre territoire. Ou bien vous voulez bien avoir l'amabilité de faire confiance aux 3 voix qui seront les nôtres et qui seront des voix qui viendront dire pas en bout de table très longtemps. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas en bout de table très longtemps. Bon. Donc à la table, à la place qui est la mienne, représentant l'ensemble des habitants du pays de Meaux, je dirais attention, sur ce sujet, nous pouvons vous proposer sur tel terrain l'implantation d'une entreprise qui pourrait, par exemple, faire de la recherche de haut niveau dans le domaine de l'aéronautique. Nous pourrions, dans le cadre du pôle Guinmer que nous avons créé avec le recteur d'académie, la région Île-de-France, sur le pôle Coubertin, l'ensemble des représentants du GIFAS, que pour le pôle Guinmer, Coubertin et Baudelaire, que Meaux, que Pays de Meaux. Hein. Donc, ils l'ont fait pour nous. Eh bien, on pourra dire, voilà, cette filière, elle va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations dans le cadre du GIP Alliance, et donc créer des connexions. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Donc, je ne sais pas, encouragez-moi, il y a suffisamment d'autres sujets sur lesquels on peut être négatif. Qu'est-ce que ça veut dire de dire 3 voix, bout de table, machin ? Voilà, soyons positifs, c'est pas obligé d'être tout le temps, parce qu'on est un opposant dans le négatif. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais il y en a marre à la fin, le côté bout de table, truc. Vous êtes pour, et donc vous êtes content, ou vous êtes contre, et vous expliquez pourquoi, mais le côté, je trouve que tout est nul, mais je vote pour, ça va pas, c'est pas, il y en a marre à la fin. Bon, voilà. Nous vous soutiendrons, eh ben, génial, et nous allez. Vous jugerons sur vos résultats. Eh ben, très bien, c'est tout ce que je demande. Donc ça tombe bien, vous ferez comme tous les habitants de notre communauté d'agglo, ils nous attendent aux résultats, et de temps en temps, quand il y a des votes, ils votent, et j'observe que jusqu'à présent, ils ont plutôt renouvelé leur confiance. Franck Courdy. Je voulais juste rajouter, on a 3 voix, mais on en aurait 20, ça ne changera rien. On ne va pas là-bas pour prendre le pouvoir, on va là-bas pour être dans la prospective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement un pôle de formation dans les métiers de l'aérien et de l'aéronautique, de l'avionique, sur lesquels on veut qu'ils soient parfaitement en adéquation avec leurs besoins. Et les gros faiseurs dont vous parlez, on est assis à la même table qu'eux, et eux sont capables de nous dire, nous, dans 5 ans, voilà ce dont on a besoin. Nous, dans 10 ans, voilà ce dont on a besoin. Et si on n'est pas assis à côté d'eux, on ne peut pas le savoir. Et nous, ça nous permet d'ajuster. Dire, ben voilà, tiens, on va ouvrir une section supplémentaire du mécanicien ou un autre métier. Et ça permet d'affiner comme ça tout ce qu'on est en train de mettre en place, de lui donner du sens et de permettre à nos gamins d'avoir un métier, des vraies ouvertures, des vraies embauches sur des choses concrètes. Et on aurait 10 voix de plus, ça ne changera rien. Encore une fois, on est là-bas dans l'échange pour construire les métiers dont ces gens-là auront besoin demain. Voilà. Et ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de nous. Ils nous ont fait venir à leur table en disant « on a besoin de vous » parce qu'effectivement, il y a ces milliers d'emplois qu'on est en train de perdre. On sait que ça va être très dur, il va y avoir un trou d'air. Et aujourd'hui, former les enfants, maintenant. Et on a, du coup, on s'est félicité d'avoir commencé ça il y a quelques années. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci à vous. Je tiens quand même à observer que sur ces deux délibérations, dans un registre différent,
l'une, la cité de la musique Simone Veil, et d'autre part, cette adhésion, hein, qui est une adhésion importante, hein, à Charles de Gaulle Alliance. Nous avons eu, dans le premier cas, un seul vote contre, et dans le second, unanimité. Voilà. Je veux le souligner, parce qu'il y a des débats, mais il y a, au sein de notre communauté d'agglomération, un unanimisme très fort sur les grands projets qui sont l'essentiel. Et je crois que c'est important aussi de le rappeler. Alors, nous passons maintenant au point numéro 6, qui concerne le contrat rural de la commune de Poincy. Régis Sarrazin. Oui, monsieur le président, chers collègues, la commune de Poincy, emmenée par son sémillant maire à ma gauche, sollicite auprès de la région Île-de-France et du conseil départemental de Seine-et-Marne un contrat rural qui comporte l'action suivante: la requalification de la grande rue du carrefour de la rue Dame de Surval au carrefour de la rue Sophie Choiseul, que des nobles. En effet, la grande rue est une voie qui dessert les principaux sites du village, la mairie, l'école, l'église. Elle est globalement dégradée et incite pas les usagers à respecter les circulations piétonnes. Aussi, la municipalité de Poincy souhaite-t-elle requalifier cette rue. Le coût estimé des travaux est de 375 000 euros et l'avis du conseil communautaire est sollicité sur ce projet. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est une manière aussi de dire qu'il y a beaucoup de projets pour les communes. Beaucoup, beaucoup. Alors, nous passons maintenant au point 8 qui concerne le recrutement d'un personnel sur le centre de vaccination. Beaucoup de choses, hein. Non, pardon, j'ai été trop vite. Ah, pardon, autant pour moi. J'étais trop vite. Convention d'adhésion sur les petites villes de demain, Régis. Pardon. Convention d'adhésion des petites villes de demain entre l'État, la commune de Trilport, représentée par son maire qui est aussi à ma gauche là-bas, et la communauté d'Aglo du Pays de Meaux. Le projet Petite Ville de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de ville dynamique où il fait bon vivre et respectueuse de l'environnement. La convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans l'exécution du programme, d'indiquer les principes d'organisation des collectivités bénéficiaires du comité de projet et les moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires au titre de ces dispositifs, de définir le fonctionnement général de la convention, de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours, et engager concourant à la revitalisation, et enfin identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet de territoire. Et donc, il nous est demandé ce soir aux membres du conseil communautaire d'approuver la convention si annexé, que vous avez vu, et d'autoriser, monsieur le président, à la signer. Merci, monsieur Moukine. Oui, monsieur le président, chers collègues, donc nos remarques valent pour les deux délibes, hein, la précédente et celle-ci, que nous avons lues avec attention. Donc j'ai découvert, à ma grande surprise, que Poincy avait 167 entreprises sur son territoire. C'est extraordinaire, un record. Et donc j'étais, séduit par le projet de résidence senior sous la forme d'un béguinage, qui est un terme plutôt ch'ti, ou du Nord en tout cas, pour 24 logements sociaux à Trilport. Je trouve qu'on devrait s'en inspirer. Donc mon intervention, je voulais comprendre, si j'ai bien compris et lu les différents documents, va se mettre en place à partir donc du mois de juin, des CRTE, contrats territoriaux de relance et de transition écologique, qui vont se substituer progressivement à l'ensemble de ces contrats qui existaient, je dis bien progressivement. Et donc, si j'ai bien compris également, ce CRTE, un contrat donc territorial de relance et de transition écologique, donc va s'appliquer à pour donc périmettre l'ensemble de la communauté d'agglomération et non plus une commune en particulier. Donc, si j'ai bien compris également, ce nouveau contrat, qui aura une durée de 6 ans, doit être donc déposé pour la CAPM avant le 30 juin 2021. Donc, nous n'avons pas été associés à la réflexion de ce contrat qui, je suppose, est en cours d'élaboration avec la participation de l'ensemble des communes. Et je voulais faire juste 3 propositions qui me semblent importantes de souligner. La première, bien sûr, développement durable. Il est important
de préserver le parc arboré de notre territoire. Et je l'ai déjà dit, il me semble important de le répertorier, de l'inventorier, sur le, donc en particulier les parties urbaines, que ce soit Meaux ou les autres communes, de façon à mieux le connaître, mieux le protéger et mieux le défendre. Deuxième point important au niveau de, donc de la, des infrastructures, la déviation de Trilport, qui est un serpent de mer. Il y a des élections qui approchent, auxquelles certains d'entre nous, certains d'entre vous participeront. Je pense qu'il faut en profiter pour remettre ce dossier sur la table. Et troisième proposition, même si je sais qu'elle n'a pas votre oreille, c'est la création d'une deuxième halte-gare ou d'une halte ferroviaire sur la zone industrielle nord au pied du musée de la Grande Guerre. Voilà, trois propositions. Régis. Monsieur Moukine, ça ne se substitue pas au précédent contrat. Par contre, nous avons écrit dans le cadre de ces contrats aux 26 maires pour qu'ils nous remontent toutes les fiches projets. Donc, je sais que le temps imparti est assez court, mais malheureusement, nous étions tributaires des annonces préfectorales. Je dis ça pour les maires parce que c'est pas simple à remplir toutes ces fiches et à nous renvoyer tous les fiches projets des 26 maires qui seront après discutés, qui seront partiront sous l'égide de la communauté d'agglomération. Quand je dis elle se substitue, c'est ce que j'ai lu dans les textes, elle devrait à terme, oui, à terme, je oui. dis bien, c'est la volonté, enfin en tout cas des législateurs, du gouvernement, se substituer à l'ensemble des différents contrats existants et avoir un périmètre, ce qui est cohérent quelque part, un périmètre plus large. Voilà. C'est pour ça que j'en profite pour faire donc nos propositions. Oui, en fait, c'était un peu tiré par les cheveux, si je peux me permettre. En fait, vous aviez envie de parler de votre programme de candidat au cantonal, en fait, c'est un peu ça. Pas du tout. Un peu. Ben nous n'allons pas être associés à cette réflexion, je le regrette, qui engage notre territoire pour les 6 années à venir. Oui, donc, bien sûr. J'ai l'occasion, lors de ce conseil communautaire, de le faire. Donc je le fais parce que le prochain aura lieu au mois de juin. Oui. Et ce projet sera finalisé d'ici là. Oui, oui. Donc c'est l'opportunité, c'est la fenêtre pour moi de faire ces propositions, pour faire ces propositions. Oui, on avait bien en tête. C'est un groupement de projets. Il n'y a pas de finalisation. Oui. C'est un groupement de tous les projets. Oui. Non, mais c'est bon. OK, super. Bien, on vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, nous passons maintenant au volet relatif aux ressources humaines avec deux sujets. Le premier qui donc concerne un recrutement pour le centre de vaccination. Je l'ai évoqué longuement tout à l'heure, je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai que depuis le 11 janvier dernier, Christian Allard a donc initié à ma demande toute cette stratégie de vaccination qui a porté ses fruits. Nous sommes aujourd'hui, je ne vais pas dire de mauvais chiffres, c'est 18 000, Christian, non ? Le chiffre exact du nombre de personnes ? Ça, c'était il y a 10 jours. Ah, pardon. Aujourd'hui, ce soir, on est à près de 30 000. 30 000, je ne sais pas pourquoi je suis resté à 18. 30 000, oui, je pense que vraiment, on peut saluer vraiment le travail remarquable qui a été fait. Donc beaucoup de choses qui ont été mises en place, l'aide des bénévoles. Je voudrais remercier les collègues maires, vous avez été les uns et les autres extrêmement réactifs et je vous en remercie pour nous aider à faire venir des renforts, aussi bien pour les personnels qui vaccinent que ceux qui accompagnent, assistent, accueillent. Au total, c'est plus d'une centaine de personnes, des personnes qui sont à la retraite, des employés en chômage partiel, des personnes au chômage qui sont venues nous aider. Enfin, vraiment, il y a eu un travail absolument, absolument formidable. Je voudrais remercier les agents de la communauté d'Aglo et de la ville de Meaux et des collègues des communes qui sont venus aussi donner un coup de main. La direction de l'action sociale qui a également beaucoup travaillé pour tout ça, la régulation des flux extérieurs et intérieurs, les préinscriptions, la gestion des salles de repos, le référent accueil, l'agent accueil post-vaccination, l'agent accueil admission, l'accueil téléphonique qui a été très important avec parfois des moments difficiles. Ça a été vraiment une mobilisation tout à fait remarquable. Je voulais également indiquer que notre centre de vaccination a été retenu
par le département pour former les pompiers infirmiers hein, qui sont actuellement mobilisés dans le vaccinodrome de Disney. Voilà. Et donc tout ça montre vraiment un travail formidable. Je passe peut-être la parole à Daniel Berthelin pour nous présenter la création de postes. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous rejoins bien sûr tout à fait pour se féliciter, enfin féliciter surtout les gens qui sont à la manœuvre pour avoir mis en œuvre ce centre suite à la proposition qui a été retenue par l'ARS de constituer ce centre de vaccination à Meaux, dans le pays de Meaux. Les équipes Enfin, Christian Allard et ses équipes ont produit effectivement, je vous rejoins tout à fait pour dire qu'ils ont fait un travail remarquable qui est reconnu par tous les gens qui l'ont fréquenté et qui ont pu y recevoir les vaccinations. La problématique est que la montée en puissance qu'on est encore en droit d'attendre puisque le centre est calibré pour vacciner 1000 personnes par jour, mais il n'avait pas les doses pour le moment. On devrait y arriver à passer de 500 à 1000 doses, c'est tout ce qu'on souhaite et puis ce qu'on espère, ce qui doit se passer. Et du coup, pour le coup, les personnels, toute la partie logistique de fonctionnement de ce centre va se trouver un petit peu insuffisante, notamment du fait que les agents mis à disposition par les collectivités, et notamment c'est la ville de Meaux, bien entendu, qui a fait un gros effort dans ce domaine, en nous fournissant, en mettant à disposition une cinquantaine d'agents qui vont devoir, du fait des réouvertures à venir, rejoindre leur mission de service et du coup qui vont par le coup faire défaut au fonctionnement du centre. Il convient donc d'envisager leur recrutement de personnel vacataire pour pallier à ces absences, enfin à ces manques. Le volontariat, le bénévolat a formidablement fonctionné, effectivement, mais à lui seul, il ne peut pas assurer complètement et parfaitement de façon aisée ce fonctionnement. Et donc, le recrutement de vacataires va se devenir vraiment, vraiment absolument indispensable. Il faut rappeler, vous avez rappelé les différents postes qui vont être notamment à pourvoir, c'est-à-dire les régulateurs de flux, les préinscripteurs, gestionnaires de salles de repos, les référents accueil, les accueils post-vaccination, l'admission, l'accueil téléphonique, etc. Toutes ces tâches qui vont nécessiter, donc avec ces montées en puissance, un nombre plus important de personnel. Alors, ces personnels recrutés seront rémunérés comme il se doit à l'heure, donc par vacation, donc sur la base d'un taux horaire de 10,25 € brut, correspondant au taux du SMIC actuellement en vigueur. Voilà, nous sommes donc appelés, j'appelle les membres du Conseil à se prononcer sur ces propositions. Merci beaucoup, Daniel. Oui, Monsieur Mouquet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, nous associons bien sûr à vos remerciements. J'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises. Tout le monde a fait un travail formidable et fait un travail formidable. Je regrette néanmoins, je tiens à le dire, ce n'est pas pour polémiquer, parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans d'autres communes de grosses villes, que nous, en tant qu'élus d'opposition, nous n'ayons jamais eu, je dis bien jamais eu depuis un an, d'informations. Je ne demande pas une information quotidienne, un petit point tous les 15 jours, une fois par mois, sur les mesures qui sont prises par la ville ou par la communauté d'agglo, donc dans le cadre de cette pandémie, afin qu'on puisse répondre aux questions qui nous sont posées. Donc une question qui m'est posée, justement, là, qui, ça me revient à plusieurs reprises aux oreilles, et je n'aime pas ça. Certes, donc j'entends plusieurs personnes m'ont demandé, le pôle donc Disney, enfin Disney Val d'Europe, va ouvrir donc un vaccinodrome important, et puis très médiatisé, évidemment. Donc certains pensent que ça va être au détriment donc du pôle Meldois. Est-ce que cette question qui m'est posée est fondée ou est-ce que c'est une affabulation ? Ah, totalement infondée. Les choses sont très claires. Le pôle, d'ailleurs, de Meaux a été reconnu par les autorités sanitaires franciliennes comme étant un des pôles les plus exemplaires. C'est la raison pour laquelle nous avons bénéficié d'un abondement très important. Non, franchement, les choses se passent très bien. Après, écoutez, honnêtement, l'information, vous savez, on gère la crise comme on peut. Moi, je donne toutes les informations. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas moi. C'est toutes nos équipes, nos services qui donnent régulièrement les informations sur ce qu'on a le droit de faire. De toute façon, la doctrine, elle est très simple.
adossement sur les décisions gouvernementales. Ce que vous entendez à la télé, on le fait à mots. Voilà. Là-dessus, il y a eu beaucoup de, un moment de demande, de gens qui disaient « Ah, mais on s'en fiche, on n'a qu'à ouvrir les commerces, si le gouvernement, même si le gouvernement n'est pas d'accord. » J'ai dit « Non, écoutez, s'il vous plaît, on respecte les règles. » D'ailleurs, le 19 mai, je croise les doigts, si tout va bien, on va ouvrir les terrasses. Et je vais m'adresser aux Maldois dans quelques jours pour annoncer toutes les mesures que nous allons pouvoir prendre, réouverture des musées, d'un certain nombre d'équipements sportifs, on y travaille, d'équipements culturels, bref, on va commencer petit à petit à pouvoir le faire, en respectant bien sûr les gestes barrières, mais voilà. Donc je suis désolé, je prends ma part, peut-être que vous pourrez plus vous informer, mais je vous assure, on fait ce qu'on peut, hein. c'est pas évident, hein. Il y a derrière une mobilisation qui est lourde. Hein. Donc vous nous confirmez que la oui. montée en puissance donc, du vaccinodrome de Val d'Europe n'aura aucune incidence aucune. Sur le fonctionnement du vaccin. Aucune, du je vous le, de, je vous le confirme. Vaud. Christian peut même compléter ouais. d'ailleurs. Christian. Alors, initialement, effectivement, c'est une interrogation qu'on a pu avoir. Mais au-delà de l'interrogation, j'ai été, pour ce qui me concerne, extrêmement vigilant et j'ai interrogé à plusieurs reprises l'ARS sur les conséquences de l'ouverture d'un tel centre. L'assurance nous a été donnée qu'il n'y aurait aucun impact sur les activités des autres centres. Je vous rappelle qu'il y en a 12 en Seine-et-Marne, 6 au nord, 6 au sud, et que donc ce qui valait pour Meaux valait aussi pour les autres centres de Chelles, de Pontault-Cobo, de Coulommiers, Lagny, etc. Je peux dire que, a posteriori, effectivement, cet engagement a été respecté par l'ARS et la préfecture, hein, puisque ce dispositif est géré par ces deux entités. Au point pour vous dire que, pas plus tard qu'aujourd'hui, la directrice de l'ARS m'a envoyé un message pour nous dire, d'une part, qu'à partir du 15 mai, ici, notre centre bénéficierait de 10 000, et même un peu plus, 11 000 doses hebdomadaires. Nous en sommes actuellement cette semaine. On fonctionne à 8 500, 9 000 doses. Et que début juin, il fallait qu'on s'attende à être doté de 15 000 doses hebdomadaires. C'est-à-dire 15 000 doses, vous faites un calcul rapide, ça veut dire qu'en un mois, pour le seul mois de juin, on arriverait à 50 000, 60 000. Sans compter, j'apporte cette précision, que ça, c'est les doses de base, mais qu'au fil des journées, les infirmières ici arrivent à optimiser la dotation qui nous est faite en retirant une septième, cette fameuse septième dose dont on parle sur les plateaux de télévision, mais qui sont une réalité, pas dans tous les centres, c'est aussi l'expérience et l'expertise de ces infirmières qui travaillent ici, ce qui fait que, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, hier, on a fait 1100 injections. Le centre qui avait ouvert à 9h30 a fermé à 21h45, pour vous dire. Donc, les équipes sont là, de bout en bout. C'est vous dire, donner un petit peu illustré. Aujourd'hui, on a débuté plus tôt pour permettre la tenue de ce conseil communautaire sans que les deux structures, en tout cas les deux opérations, se télescopent. Et vous avez pu voir que c'était quasiment le cas. Et donc, aujourd'hui, hier, il y a eu 100 doses qui ont été ainsi optimisées. Aujourd'hui, il y en a eu 95. Et ces doses, pour être très clair, sont ensuite proposer aux gens qu'on appelle, les gens qui sont sur la liste d'attente, sont appelés pour ceux qui sont libres et à proximité, ils viennent bénéficier en fin de journée, c'est-à-dire à partir de 17h30, 17h45 de ces injections. Et puis, il y a aussi des amateurs, si je puis dire, qui viennent, qui ont appris le chemin du Colisée et qui arrivent et que le sujet est très simple et ne doit faire l'objet d'aucune polémique. Car le choix est simple, entre jeter les doses dont on dispose et les proposer aux gens qui sont venus, effectivement là, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Je le dis parce qu'on voit les polémiques ici ou là discuter, c'est une honte
pure et simple. C'est honteux. Et je peux vous dire qu'il y a dans certains médias ce qui est relayé, et encore pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est une honte caractérisée que même d'émettre ce type de supposition et de polémique, c'est absolument un scandale pur. Voilà, voilà comment fonctionne en quelques mots ce centre. Je peux vous dire que toutes les équipes, et je remercie le président, ceux qui sont intervenus pour le dire, pour les équipes, sont des équipes formidables, qui ne sont pas des professionnels pour la plupart, je n'évoque pas les médecins et les infirmières naturellement, mais que ce soit les agents administratifs de toutes nos collectivités, que ce soit les bénévoles, eh bien, moi, je suis admiratif. Il s'est créé au fil de ces 100 jours. Hein. On est aux 100 jours du Colisée. Il s'est fait vraiment une âme dans ce Colisée autour de cette lutte contre l'épidémie. On y apporte notre contribution. Tu as évoqué, Jean-François Copé, le bras armé supplémentaire qui va être mis en fonction à partir de la semaine prochaine, c'est le bus vaccinateur, le Vaccibus de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, qui est destiné à aller vers, effectivement, les territoires de notre communauté qui n'ont pu, quelles qu'en soient les raisons, accéder jusqu'ici, je pense en particulier aux personnes les plus âgées ou handicapées, naturellement. Donc tout ceci va être un travail fait conjointement entre les collectivités et le centre ici pour planifier toutes ces opérations. C'est la vocation de ce bus, ce Vaccibus de la communauté d'agglomération et que vous aurez l'occasion de voir lors de l'inauguration, ici, samedi, à 11h30. Christian, je n'ai qu'un mot, bravo. Ouais. Bravo. Monsieur Savret. Oui, juste quelques interrogations. Et bien sûr, on salue l'engagement de tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce vaccinodrome et qui continuent de le faire. Juste pour bien comprendre, la création des postes sont bien à la charge de la collectivité, c'est ça ? Alors, ils sont à la charge de la collectivité. Ce que nous espérons, c'est que certains d'entre eux, et notamment c'est l'engagement qu'a pris l'ARS pour la personne qui coordonne, sera l'objet d'un remboursement de la prise en charge. D'accord, parce que... Ah, mais c'est un coût. Parce que... Oui, non, mais... Ça, il ne faut pas se mentir. Non, mais justement, personne ne le dit. Mais votre question, elle est très pertinente. Personne ne le dit à Paris. Tout le monde a l'air de dire que c'est l'État. Ce n'est pas vrai. Les communes et les collectivités, les communes notées d'agglomération font un effort considérable. C'est là où je voulais en venir, parce que... Voilà, parce que là, ma remarque s'adresse plutôt au gouvernement qui est actuellement en place, qui a su très bien déverser des milliards, notamment en matière de fiscalité pour les plus aisés, pour les plus riches. Et je pense quand même qu'il est vraiment, et qui a su aussi en déverser depuis le début de la période du corona. Oui, là, honnêtement, ce n'est pas trop un sujet de riche, là, si je peux me permettre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, là, pour le moins, plutôt que de faire porter l'effort sur les collectivités, l'État aurait pu quand même suppléer les collectivités en la matière qui ont déjà fait des efforts considérables depuis le début de la pandémie et de prendre en charge ces créations d'emplois qui seront temporaires, bien sûr. Et surtout que, pour faire le contrepoint des premiers de corvée, les premiers de corvée sont nécessairement utiles et indispensables. Et je trouve que payer 10,25 € brut de l'heure, c'est un peu chiche. Alors, je comprends la difficulté de la collectivité à créer ses postes, à trouver les budgets et à payer les personnes. Mais je trouve qu'ils prennent aussi un risque à recevoir du monde, etc., etc. Donc, mériteraient aussi d'avoir une rémunération à la hauteur aussi de leur travail, des enjeux, de leur engagement et des risques qu'ils portent en la matière. Ça, c'est une chose. Et puis, en ce qui concerne l'autre point qu'on va voir après, j'aurais voulu aussi avoir le taux horaire de la création du poste de collaborateur du chef de cabinet. Parce que comme on a celui pour le point 8, autant avoir aussi celui pour le point 9. Quoi ? Allez, d'abord, on va peut-être voter celui-là quand même. Oui, on fait dans l'ordre. Qui s'abstient ? C'est adopté. Bon, donc on va maintenant aborder le dernier point. Oui. Donc
Daniel, je te laisse le présenter, mais on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. C'est un contrat, là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des vacataires, là, c'est un contrat. Ben non, un contrat, non, ce n'est pas à l'heure, c'est un contrat de cadre. Daniel. Oui, bah une note, Monsieur le Président, une note de synthèse qui va être pour le coup très synthétique. La communauté d'agglomération est éligible à 3 postes par la loi, de 3 postes de collaborateurs de cabinet. Or, à ce jour, nous n'avons que 2 postes créés. Donc, il vous est demandé, conformément à la loi, de la création d'un 3e poste pour le collaborateur de cabinet. La rémunération du collaborateur et des avantages seront définis conformément à la réglementation, donc très clairement. Nous respectons scrupuleusement les réglementations légales sur ce sujet, hein. Y compris que c'est des cas individuels, hein, donc il faut respecter aussi les situations individuelles. Mais enfin, on le fait, c'est un contrat qui est soumis au contrôle de l'égalité et qui est évidemment parfaitement respectueux de ce qui est autorisé. Pas d'opposition, pas d'abstention ? Très bien, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée avec, pour les amateurs de foot, un rendez-vous important. Et à très bientôt pour la suite.